Let's get ready to rumble! Yes! Voilà une entrée en matière tout à fait quelque chose. Et sur ce, les amis, j'ai la joie de vous dire bonsoir. Hop, j'espère que ça va bien pour vous, j'espère que vous passez une bonne soirée. J'espère que vous êtes prêts pour ce combat final. Je vais tweeter qu'on démarre. Hop. Oh, let's get ready to rumble! Pour ceux qui ont la ref, c'est cool. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, sur Twitter, a démarré pour la 150e fois un débat sur Gravity versus Interstellar. Qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est moins bien, etc. De toute manière, à chaque fois que ça parle de Gravity, on vient me chercher, on vient dans mes mentions en me disant « Hey, Mr. Fox, viens, viens te battre, viens, on va se battre. » Et aujourd'hui, ça n'a pas manqué. Et du coup, moi, j'ai envie de discuter un petit peu de tout ça et de discuter avec quelqu'un qui défend Mordicus Interstellar. Et donc, pour cela, j'ai proposé à Le Clap, qui a lancé un petit peu la discussion sur Twitter, de venir faire un petit débat en live. Donc, on va l'appeler tout de suite. Je tweet, hop là, que nous sommes en live, parce que un peu de promo, c'est bien. Et sur ce, nous allons, sans plus de cérémonie, appeler le camarade Le Clap. Hop, si j'y arrive, mais il devrait y avoir moyen quand même. Voilà, on espère que ça va bien marcher. Hop. Allez, allô. Allô. Allô, est-ce que tu m'entends bien? Alors moi je t'entends mais pas très fort, est-ce que tu pourrais te rapprocher ou alors monter un petit peu le son de ton micro? Est-ce que là déjà ça va mieux? Ah déjà c'est un peu mieux ouais, de ouf. Et là? Là c'est bien, là c'est impec. Est-ce que tu es prêt à ce que j'affiche ta ganache? Là je suis prêt, là bon, je suis à fond, vas-y. T'es à fond les ballons, et eh ben c'est parti. Hop. Et ça ne marche pas. Si, ça y est, ça marche. Hop. Donc nous sommes avec Le Clap. Bonsoir Le Clap. Bonsoir. Est-ce que je t'appelle Le Clap ou est-ce que je t'appelle par ton prénom? Tu peux m'appeler Quentin si tu veux. Eh ben Quentin, enchanté, moi c'est Hugo. Hugo, enchanté, moi c'est Le Clap. Eh ben moi c'est Mr. Fox. Alors... De quoi? J'ai pas entendu. Ça va être très intelligent, je le sens. Ah oui, non, ça va être très très intelligent. En fait, je t'entends pas si fort que ça, donc si tu peux encore, monter les niveaux, hésite pas à les pousser à fond les ballons. Hein. Moi, je baisserai au besoin. Et là? Là, c'est un peu mieux, ouais. C'est un peu fort là, non? Non, 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 c'est pas fort. Tu peux monter encore. Hein. Et ici? Là, c'est. Bien, ouais, tu peux encore monter. Hein. Max, je crois. Ah, t'es au max? Ok. Eh ben, écoute, si tu peux le rapprocher un petit peu, c'est pas grave s'il est un petit peu, s'il est un petit peu à l'écran. Hop. Alors, je suis désolé. Là, je... Ouais, je t'entends bien. Ouais. Là, c'est mieux.
C'est impec. Donc je suis désolé les gens, mais je peux pas afficher le chat parce que comme vous le voyez, la place est déjà pas mal prise par les vidéos. Mais l'essentiel, c'est que vous voyez les deux protagonistes de cet incroyable débat. J'ai mis la musique de Let's Get Ready to Rumble pour lancer le truc. C'était juste parfait. Voilà. Bah, merci. du coup, Gravity versus Interstellar. moi j'ai envie de commencer en disant un truc, en mettant les choses. Juste aussi sur Twitter. Vas-y, vas-y. Et je suis à toi. Oui, moi je voulais dire un truc, c'est que je mets les choses au clair tout de suite. J'aime bien Interstellar. Je pense que c'est un bon film. Et il n'y a pas de souci à ce niveau. Moi, j'aime bien Interstellar. Je l'ai pas vu au ciné, mais j'ai acheté le Blu-ray pour le mater chez moi. Et ouais. Mais je trouve un bon film. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur Christopher Nolan, à mon sens. Mais ça reste un excellent film. Les gens disent qu'on t'entend toujours pas. Franchement, on l'entend pas du tout. Ah, putain, attends, je vais comme ça, voilà. Quitte à le voir. Est-ce ouais, que là, ça va mieux? Ouais, c'est un peu mieux, ouais, de ouf. Normalement, ça devrait le faire. Ok. Donc, ouais, moi, j'aime bien Interstellar, y a pas de souci. C'est juste que Gravity, c'est mieux, quoi, mais c'est tout. On part sur un débat très constructif. Très constructif, parce que de mon côté aussi, j'aime bien Gravity, j'aime beaucoup, même. C'est, comme tu dis, même principe, c'est pas mon préféré de Quaron. J'ai une très nette préférence pour les fils de l'homme, mais Interstellar, c'est mieux, quoi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu mon niveau. Allez, fin de débat, salut, comme ça, comme ça, les gens peuvent monter directement le son sur leur ordinateur. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à toujours mettre mon micro un peu fort. Donc, ouais, effectivement, je sais même pas si c'est le meilleur Quaron réflexion. Moi, j'aime beaucoup tous les Quaron, en tout cas tous ceux que j'ai vus. Et c'est vrai que peut-être que Les Fils de l'Homme est un petit peu mieux Gravity. Mais moi, quand j'ai vu Gravity... une première question, est-ce que tu as vu Gravity au cinéma et est-ce que tu l'as vu en 3D? Alors, je ne l'ai pas vu au cinéma ni en 3D. Ah! Tu peux me frapper. Non, mais peut-être que c'est pour ça que... Hein. Mais même en l'ayant vu sur un grand écran, j'ai réussi à ressentir ce qu'il fallait, tu vois. Donc... ça, tu vois, ça a quand même bien marché, quoi. Mais c'est ouais. Sûr que c'est pas sur un petit ordi de 11 pouces que tu vas vraiment profiter du truc, quoi. Bien sûr, et puis voilà, moi, Interstellar, j'ai beau ne pas l'avoir vu au ciné, j'ai quand même mon Projo, etc. Donc je pense oui, voilà. Aussi l'avoir quand vu dans les bonnes conditions pour voir le truc. Exactement. Un des trucs qui revient le plus sur Twitter, c'est que Gravity, c'est vide et que Interstellar, c'est plein, pour schématiser. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es d'accord avec cet état de fait? Est-ce que tu le nuances un petit peu? Bah, je dirais oui, mais pas dans le sens péjoratif. C'est-à-dire que pour moi, Gravity, ça va beaucoup plus jouer sur le visuel, et ça, c'est ce qu'on retient le plus. Et Gravity, il y a beaucoup plus déjà. C'est déjà beaucoup plus long, c'est deux fois plus long même. Et donc, ils doivent mettre en place beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus de dialogues, beaucoup plus de personnages. Donc, c'est sûr que... Oui, c'est vrai, Gravity fait qu'une heure et demie. On va avoir cette... Oui, voilà, ça fait qu'une heure et demie. Interstellar, c'est quasiment trois heures. Donc, après, c'est vrai que les films Oui, pardon, vas-y. Oui, je dis que Interstellar a beaucoup plus le temps, on va dire, de planifier son... de mettre en place son univers. Et donc, oui, il peut se permettre... de mettre beaucoup de dialogue, quoi. Après, les films n'ont pas du tout... pas le principe de Gravity, quoi. Les films n'ont pas du tout, effectivement, le même principe. Ce que j'entends souvent quand on discute du sujet, c'est « Mais de toute manière, arrêtez de comparer, parce que ce n'est pas des films comparables. » Ce qui est vrai, parce qu'il y en a un, c'est juste un... Juste, pardon, je commence déjà à m'abaisser à ce niveau, mais c'est un survival. Survival dans l'espace, huis clos, quasiment du temps réel. Et l'autre, c'est un truc qui s'étend sur plusieurs, oserais-je le dire, décennies, siècles, que pouvons-nous dire? Mais voilà, on est sur une autre échelle, on est sur une autre portée, etc. Donc on essaye un petit peu de faire parler nos cœurs ici.
Mais tout, c'est que le truc qu'ils ont en commun, tu l'as vu ma vidéo qui justement compare les deux? Non. Non, 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 j'ai vu d'autres de tes vidéos, mais pas ouais, celle-là. Mais en gros, d'ailleurs, je balance le lien de ta chaîne sur le chat pour ceux que ça intéresse. Le clap fait. Voilà, abonnez-vous. Non, le clap, tu fais des vidéos les plus connues, c'est du dual screen où justement tu mets en parallèle deux films qui ont soit les mêmes thématiques, soit. De films, de séries, de jeux vidéo. Oui, de jeux, oui, aussi, ouais. Donc abonnez-vous à sa chaîne, elle est bien. Oui, du coup, Pour revenir sur la TV, en fait, la survie, comme tu dis, en fait, pour moi, la survie, c'est en commun et comme tu disais, pas la même échelle. Et c'est là où justement, je trouve qu'Interstellar, entre guillemets, apporte plus de profondeur parce que je trouve qu'il y a plus d'enjeux dans Interstellar que Gravity, parce que Gravity, vu que c'est un huis clos de survie spatiale, on se concentre sur deux personnages, tandis que sur Interstellar, donc c'est plus une aventure de science-fiction qui va se concentrer justement sur l'impact qui a été posé dans l'histoire sur la Terre entière, en fait. Et je trouve que c'est là, à la fois que les films se rapprochent, mais se diffèrent en même temps, c'est qu'ils abordent la même thématique, mais dans un contexte et un cadre différent, en fait. Après, c'est pour moi un des principaux arguments quand je parle des deux films, c'est que c'est cette thématique, mais qui l'utilise à différentes de différentes manières. Après, moi personnellement, je suis d'accord avec toi effectivement sur le fond. Après, personnellement, moi le problème que j'ai avec Nolan de manière générale, c'est que je n'arrive pas à m'attacher à ces personnages pour plusieurs raisons. Mais effectivement, comme tu le dis, dans Interstellar, il y a pas mal de persos, même si effectivement on peut en dégager des principaux. C'est vrai qu'il y a pas mal de persos. Gravity, on se concentre sur, grosso modo, hein, disons-le, un personnage. Tu peux rajouter tu peux rajouter George Clooney à côté, mais c'est vrai qu'on est dans un survival d'un personnage. Et du coup, moi, je me suis pas posé de questions quant à l'attachement des personnages, c'est-à-dire que je vais pas dire dès que j'ai vu Sandra Bullock je l'aimais, mais non, n'exagérons pas. Mais c'est un personnage auquel je me suis tout de suite attaché parce que c'est pas la baroudeuse de l'espace, c'est pas un personnage sur d'elle, c'est pas un personnage fort, en tout cas au début du film. C'est ce qui me la rend extrêmement attachante. J'ai pas du tout eu cet attachement envers Matthew McConaughey. Et la fameuse scène dont tout le monde me parle, tout le monde me rebat les oreilles avec, je vais choquer les gens, mais je n'en avais rien à taper. Alors, je quitte le Discord tout de suite. Mr. Fox bloqué de Twitter. Ah bravo. Ah, bravo. Super, bravo. Ah, on avance bien. Ça commence comme ça. Le débat, il avance bien. Mais pour Gravity, je suis entièrement d'accord parce que justement, le fait qu'on ait que deux, enfin surtout un, mais deux persos, bah déjà, on a beaucoup plus le temps de s'attarder sur eux. Et vu qu'on est constamment avec eux, niveau implication et niveau immersion, bah, c'est le plus efficace, quoi. Donc c'est sûr qu'on va vachement s'attacher aux ces deux personnages et beaucoup plus vite. Parce qu'on vit vraiment la chose avec eux. Et c'est ça qui. C'est ça la force de Gravity, c'est que on vit avec eux le film. Les acteurs, ils jouent tellement naturellement qu'on a l'impression qu'ils pourraient incarner n'importe quelle personne dans la même situation. C'est ça que je trouve ça très fort. Et après, Sandra Bullock, justement, on la voit tellement évoluer pendant le film que l'attachement est encore plus fort. Donc ça, je suis totalement d'accord. Donc Gravity, c'est mieux. Ok, merci. Merci de nous avoir suivis. Merci. Abonnez-vous à la chaîne de Mr. Fox. Voilà, merci. Mais en fait, dans Interstellar, c'est pas vraiment le personnage de Matthew McConaughey. C'est plus en fait la réaction par rapport à son entourage, en fait, surtout par rapport à sa relation avec sa fille, avec alors, ne dis rien, avec Murphy, voilà, Murphy. Avec Murphy, c'est là justement que l'attachement pour moi se fait, parce que tu sens vraiment que, au-delà de ça, c'est un père qui galère à essayer d'éduquer ses enfants, surtout sa fille,
parce que son fils... ça, c'est un des défauts que je retrouve souvent chez Interstellar, c'est qu'on a l'impression que dans le film, il en a rien à péter de son fils. Alors qu'il devrait jouer avec au baseball, comme tous les parents américains. Ouais, je sais pas quoi, voilà. Tiens, on va jouer au ballon, on va jouer au football américain. Mais oui, papa, vas-y. Story mark. Et tout, c'est que... Et ça, je l'avais ressenti, je le ressens plusieurs fois quand je l'ai revu. Après, ça peut s'expliquer. T'as le fils qui est un petit peu plus indépendant, qui a pas la même, disons, le même attachement par rapport aux sciences, etc., par rapport à Murphy. Donc, c'est sûr que peut-être que Cooper, il veut plus investir avec sa fille qui est en manque de repères. Et justement, c'est leur relation et leur manière d'interagir entre eux qui va justement créer empathie, je trouve. Et c'est surtout le personnage de Murphy qui, moi, me fait... tomber en larmes, quoi. Oui, Interstellar, ça, sûr, c'est pour ça, ça c'est personnel, mais à chaque fois que je regarde Interstellar, je fonds. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo dessus, mais je pense qu'il n'y a absolument aucune honte à avoir de pleurer devant un film. Hein. Moi, c'est devant Gravity en l'occurrence, mais. De toute façon, tu me dis ça, moi je vois une fille se brosser les dents avec une musique triste, je pleure. Donc, Ou manger une tarte. Manger une tarte, c'est terminé quoi. C'est ça le plan séquence dans Ghost Story qui dure 5 minutes. Mais tu vois, c'est marrant, tu parles d'attachement au perso, t'as cherché son nom. J'ai cherché son nom, oui. Alors que moi, je peux te parler de Ryan Stone et Matthew Kowalski en mode. Matthew Kowalski, ouais. Mais je me souviens d'aucun nom des persos d'Interstellar. Pour ma défense, Interstellar, malgré. Alors, ça, c'est d'ailleurs, c'est un sentiment très bizarre. Malgré que ce soit mon film préféré, je crois que je l'ai vu que 4-5 fois. Ah, mais c'est ton film préféré de tout l'univers, je veux dire ? Ah, de tout l'univers. Ça, ah, c'est, d'accord. Oui, parce que Gravity n'est pas mon film préféré. Ah, oui, moi, c'est. Amour, voilà, quoi. C'est bien pour ça qu'il y a une affiche derrière. Mais. voilà, autopromo. J'ai pas d'affiche de Gravity, je suis désolé. Ah, ouais, mais c'est pour ça que moi, je. Mais j'ai pas envie de le voir plusieurs fois parce que justement j'ai envie de retrouver à chaque fois cette sensation parce que dès que je rentre dedans je suis plongé à l'intérieur et c'est ça qui me rend fou dans ce film, c'est que dès que je suis dedans il y a plus rien qui me stoppe quoi. Je suis profondément dedans, je suis totalement avec les personnages, je suis vraiment à fond et il me touche énormément. J'imagine voilà. Que tu as eu beaucoup de mal à monter ton émission, parce que moi j'ai eu ce même problème en montant mon émission sur Amadeus, c'est qu'à peu près à chaque fois que je cherchais un extrait, je suis en mode « Ah, il est bien ce film !» et puis je me mets à le regarder. « Ah merde, c'est vrai, il faut que je sélectionne un extrait !» Bon, ça c'est bien, ça c'est bien, tout est bien, merde. Je fais quoi ? Voilà, mais ouais, effectivement, je comprends. Par contre, le cinéma de Nolan est tellement impersonnel, j'ai du mal à comprendre qu'on soit en PLS comme ça devant quelque chose de tellement étranger. Alors, j'irai pas jusque-là, perso, parce que j'ai revu il y a pas très longtemps The Dark Knight, qui m'a totalement mis en PLS. J'ai aucun souci à ce niveau-là. J'ai envie justement de bosser là-dessus et je comprends totalement. Mais je rejoins Bob le Con sur un truc. C'est que le cinéma de Nolan a un problème, je trouve, et c'est quelque chose qui est assez absent dans The Dark Knight, mais qui est présent, je trouve, l'endroit où c'est le plus présent, c'est Inception, mais je trouve que c'est aussi vrai sur Interstellar, c'est que Nolan noie ses films de dialogue. Et je pense que tu peux quand même raconter une histoire de 3 heures sans mettre autant de dialogue. Je veux dire, Amadeus, justement, je l'ai revu pour le remonter, il fait 2h30, il n'y a pas tant de dialogue que ça. Bon, c'est compensé aussi par la musique, mais tu peux raconter beaucoup de choses sans dialogue. C'est ce qui fait la force, entre parenthèses, de Gravity, à mon sens. C'est là justement aussi le gros point pour Gravity, à l'inverse. Parce que la réalisation de Nolan en général, elle est pas classique, mais plus subtile. Donc en gros, elle sera pas aussi marquée, aussi visuelle que d'autres. Donc justement, contrairement à Cuaron.
Et justement, Guy Gravity, c'est une vitrine technique. Enfin, c'est là pour oui, mais c'est là que j'ai un problème. C'est là que j'ai un problème, c'est que pour pas mal de gens, c'est juste une prouesse technique et il y a rien d'autre derrière. Ce qui me fout le seum interstellaire, sans mauvais jeu de mots, c'est que on limite ça à une prouesse technique. Et pour terminer avec Interstellar, et entre parenthèses, je pense hein, que Interstellar est un très très beau film. Il y a de très très belles images et la photo est léchée. Il n'y a pas de souci à ce niveau. C'est un beau film. Ça change pas. De manière générale, les films de Nolan sont bien photographiés, sont bien mis en scène. Il a un sens du cadre. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais il n'y a qu'à revoir l'intro justement de The Dark Knight où moi j'étais en mode What? Bref, mais c'est ça, c'est que Nolan c'est hyper précis en fait, c'est ça qui. Après, on peut pas reprocher à Cuarón de pas être précis, hein. Ah non, au contraire, justement Cuarón, je pense que tout le monde, se rabat par rapport à Gravity au premier plan séquence. Donc tout le monde dit ouais c'est trop bien et tout. Et vu que après on passe où c'est un petit peu plus, on va dire, le rythme est un petit peu plus, justement ils essaient de beaucoup plus poser le truc. Donc les gens se disent ouais mais après ça il se passe plus rien quoi. Alors, ce qui est totalement faux et surtout que c'est pas parce que Cuarón fait juste un super beau plan séquence qu'il sait pas utiliser la caméra quoi. Bien sûr. Il y a tellement d'idées de mise en scène et de messages et d'idées transmises par l'image et c'est bien ça sûr. Qui fait sa force. C'est pour la parenthèse parce que je l'ai aussi revu il y a pas très longtemps, je me suis fait un marathon. C'est aussi ce qui fait selon moi de Harry Potter 3 le meilleur de la saga. Parce que justement, plutôt que d'exposer, c'est comme c'est dans les deux premiers, plutôt que d'exposer avec des gros plans larges et rien d'autre, ou de vouloir faire soit un coup c'est du green grass, un coup c'est quelque chose d'un peu ampoulé, etc. Enfin, je pense pas que David Yates soit un réalisateur super, super talentueux, mais ça n'engage que moi. Mais Harry Potter 3, tu arrives à comprendre des choses juste par le visuel, juste par la mise en scène. Et Monsieur Bobine a fait une très bonne vidéo là-dessus. Mais un des trucs qui m'a marqué, c'est que tu vois le temps qui passe sans forcément tomber sur les images clés de la neige, de machin, de Noël, des trucs, etc. Juste, tu vois le saule-cogneur, tu vois le moment où il a des feuilles. Le moment où, voilà, et ça suffit pour comprendre que le temps passe. Donc voilà, Cuarón, je pense que c'est quelqu'un qui arrive à raconter des choses simplement par l'image. Et je trouve que Nolan a pas ce talent. Il est obligé de foutre des dialogues. Et l'autre problème que j'ai justement avec cette abondance de dialogues dans le cinéma de Nolan, c'est que il prend, c'est peut-être un procès d'intention, hein, attention, hein, mais je trouve qu'il prend son public pour un con. En lui répétant 30 fois comment ça marche, en lui répétant 30 fois machin. Et effectivement, bon voilà, comme je l'ai dit, pour moi, le film qui souffre majoritairement de ça, c'est Inception. Parce qu'il y a plein de choses, selon moi, que tu comprends dès la première scène. L'écoulement du temps, l'écoulement de machin, etc. La façon dont les rêves sont imbriqués, etc. Rien que la scène d'intro d'Inception, tu comprends de quoi il s'agit, tu comprends comment fonctionne le truc. Et ils sont obligés de répéter 30 000 fois. D'abord à Ellen Page, et puis ensuite à Ken Watanabe. Et puis ensuite, voilà, il est obligé de réexpliquer 30 000 fois à son équipe qui est censée avoir déjà fait des missions avec lui, donc et pas avoir besoin de brief. Donc c'est un problème je trouve qui plombe Inception, qui reste un très bon film hein, mais qui le plombe un peu. Et selon moi Interstellar a le même problème, c'est-à-dire qu'il essaye à tout prix de rendre son histoire cohérente. Alors que je veux dire, il y a plein de choses dans Interstellar qui pourraient fonctionner avec la suspension consentie d'incrédulité et pas forcément avoir besoin d'explications. C'est-à-dire que tu regardes le film, tu vois qu'il fait ça, tu te dis « Ok, bon, soit. » Mais il te l'explique encore et encore et encore. Et moi, je trouve ça a tendance à tuer pas mal de d'émotions, on va dire. C'est pour ça que je pense Bob Lecon disait que c'était impersonnel. Je pense pas que ce soit le cas, mais il y a ce côté un peu trop, comment dire. Je vois, Peu trop marqué, trop. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord, parce qu'effectivement, il y a des moments où ça parle trop dans les explications. Là, je revois la scène où t'as Cooper qui, justement, découvre le plan que cache la NASA. Donc, ça explique en long et en large ce qu'ils veulent faire. Donc, certes, c'est long, mais dans l'autre, je trouve que ça rend plus accessible la chose.
Et ça, c'était surtout pour Inception, parce que Inception, même si tu comprends assez vite ce qui se passe, vu que c'est quelque chose, bah, l'histoire reste quand même ultra originale, et vu que c'est assez inédit, tu as besoin que le spectateur vraiment comprenne un peu les bases de ce qui a été établi pour justement mieux s'immerger dans l'histoire, pour mieux comprendre ensuite les enjeux vers la fin. Donc justement, au début, dans Inception, on leur explique bah, comment se passe une inception de A à Z, pour ensuite qu'ils puissent mieux comprendre ce qui va se passer dans les limbes à la fin. Et là, pareil pour Interstellar, on leur explique qu'est-ce qui va se passer quand on passe à travers les trous verts, pour potentiellement mieux expliquer ce qui se passe au niveau de la théorie de la relativité du temps, etc. Pour essayer de donner des clés pour mieux s'immerger dans le truc et pour justement accroître l'effet d'empathie quand ils reviennent de la première planète, c'est la planète de Miller, si je sais plus si la première ou la deuxième, où tu te rends compte que bah, ça fait 23 ans qu'ils sont partis, quoi. Tu dis ok, j'ai compris, tu te dis ah oui, j'ai compris, mais c'est beaucoup plus que ce que j'avais compris. Je pensais que ça avait passé juste deux ans, non, 23 ans. Donc, oui, ça parle trop parce que Nolan, je pense qu'il est plus intéressé par le scénario que la réelle. Enfin, pas plus intéressé, mais je veux dire qu'il s'attarde plus parce que sa réalisation, elle n'est pas impersonnelle, mais elle est beaucoup plus subtile, on va dire, plus propre, pas plus propre, mais plus précise et subtile. Tandis que d'autres, c'est beaucoup plus visuel. Mais lui va vraiment s'attacher à l'histoire, je trouve. Après, c'est. Engage comme moi. Mais. Je suis d'accord sur le fond, encore une fois. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont besoin toujours d'être précisées. Et effectivement, je suis convaincu que le spectateur n'a pas toutes les clés de base. Et effectivement, je pense qu'il y a des choses qui ont besoin d'être précisées. Effectivement, maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que les limbes, c'est un concept qu'il faut quand même expliquer un minimum. Même si ça pourrait être raconté de façon moins empoulée. Mais effectivement, il y a besoin quand même d'expliquer comment ça marche pour qu'effectivement on ait les clés pour comprendre la fin. Mais c'est trop. Il faut toujours faire ce juste milieu. Donc, c'est ça. Il pourrait le faire une fois, il pourrait le dire une fois, il le dit trois. C'est aussi d'accord, le problème que j'ai avec Interstellar. Pour reprendre l'exemple que tu as dit, effectivement, le délai de 23 ans, moi je pense. Je me rappelle plus trop comment j'ai réagi quand j'ai vu le film, mais il y avait un côté. Il me semble qu'il y avait un côté. Je m'y attendais, du coup. C'est-à-dire, je les vois avec la grosse beubare, etc. Bon, bah, ça fait un moment qu'on vous attend, les gonzes. Et j'étais en mode... Bah oui, effectivement, mais je en même temps... Je me suis fait chier pendant 20 ans, moi, sans vous. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, plus que choqué, j'ai pris 2 secondes pour imaginer qu'est-ce que tu fais pendant 23 ans dans une navette spatiale. mais c'est la question principale que je me suis posée, en fait. Mais... j'ai pas réagi émotionnellement, en fait, parce que justement on m'avait trop préparé à mon sens. Alors que pour revenir à Gravity, c'est de l'imprévu H24, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu sa force aussi, justement, vu que ça parle pas beaucoup, on voit les choses arriver, on sait que quelque chose va arriver grâce à l'image, et ça dit ça va arriver sur leur gueule, donc non, si, voilà. C'est mal dosé niveau explication, et surtout ça se répète. Après, est-ce que la répétition ne serait pas la clé de la connaissance? Oh. Je pars bien là ce soir. Tu dis que Nolan, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui disent sur le chat, tu dis que Nolan, il s'intéresse au scénar, etc. Mais il nous a quand même sorti l'an dernier Dunkerque, qui est un film d'une heure trente, enfin 1h40, quasiment. Oui, justement, sans dialogue. J'avais vu ça dans le chat, justement, Dunkerque, c'est beaucoup plus de la mise en scène. Mais tu l'as vu Dunkerque ou pas? Oui, je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu au cinéma pour le coup. Et t'en as pensé quoi? Moi, je me suis fait chier. Mais c'est là pour le coup, je suis pas du tout. Comment dire? Je suis un peu le seul dans ce cas-là dans mon entourage. Globalement, les gens ont bien aimé, etc. Donc je me dis que sans doute, j'ai pas eu. Comment dire? J'ai pas été sensible à la chose. Mais là, j'ai aucun souci, je pense que ça vient de moi, tu vois. Et je blâme pas Nolan. Parce que, effectivement, plusieurs personnes m'ont dit: mais tu te rends compte que ça c'est bien, que ça c'est bien, que ça c'est bien. Je suis en mode: oui, sans doute. Mais il n'empêche que dans mon siège, etc., il faisait qu'1h40 et j'ai trouvé le temps long.
Ce qui n'est pas arrivé devant Il faut sauver le soldat Ryan ou d'autres films de guerre, quoi. Pour caricaturer, je sais pas, je sais que c'est pas les mêmes styles de films, mais pour dire que c'est pas le film de guerre qui est rédhibitoire pour moi, quoi. Donc ouais, voilà, je me suis un peu ennuyé, mais là pour le coup c'est totalement un ressenti perso, quoi. Mais moi, c'est la première fois que je l'ai vu, je l'avais vu au Grand Rex, et donc je vais me dire, ouais, t'es dans les meilleures conditions. Et en fait, la première fois, j'étais complètement dubitatif, je savais pas où me placer, je savais pas si bah, t'as aimé, bah, je sais pas, j'en sais rien. J'avais aucun avis là-dessus, parce que je l'attendais énormément, donc je sais pas si c'était l'attente qui faisait que. Et ensuite, c'est en l'ayant revu une deuxième fois dans une salle plus petite, après avoir un petit peu relâché. Avoir pris du temps pour revoir le film, bah c'est là que j'ai vraiment été happé. Donc je sais pas si je pense que ça double tranchant. C'est là, celui-là, c'est soit tu l'aimes, soit tu aimes pas, parce que c'est justement par rapport au film de guerre, il est tellement différent et presque conceptuel que tu te dis c'est ça double tranchant, quoi. Oui, c'est déroutant. Oui, c'est vrai. Parce qu'avec cette idée, surtout ce montage qui embrouille totalement, c'est très bizarre, ouais. Disons que les bandes annonces, c'est un peu ça, c'est les bandes annonces vendaient un truc qui ne reflète absolument pas le produit final, parce qu'ils te vendaient un truc ultra dynamique. Et ouais, c'est très lent comme rythme. C'est très lent, c'est parfois viscéral, mais c'est jamais rythmé de A à Z, quoi, comme pourrait l'être d'autres films de guerre, quoi. Il était très étrange, ce film. Alors, de là à dire que c'est le plus mauvais des Nolan, parce que j'ai vu ça dans le chat tout à l'heure, je pense pas. Mais ouais, disons que c'est le plus. C'est difficile de dire mauvais, quoi. Moi, c'est celui auquel j'ai le moins accroché. De là à dire que c'est le plus mauvais, je crois que j'ai encore moins accroché à Insomnia. Pourtant, Insomnia est très bien, mais. Insomnia est bien, mais en fait, tu te dis, bah, c'est du Nolan, quoi. Enfin, il a rien d'original, en fait. Mais ça reste très bien. Mais juste Robin Williams, un méchant, ça j'adore. Enfin, celui qui m'a fait le plus me dire c'est du Nolan, moi, c'est Batman Begins. Je l'ai revu pour le coup un petit peu après. Et je me suis dit, ouais, ça c'est du pur Nolan, quoi. Remarque, The Dark Knight aussi, c'est du pur Nolan, mais transcendé, je trouve. Mais transcendé. Ouais. J'en fais des caisses avec le mot transcendé, mais. Par un temps, il a tout, hein, ce Batman. Hein, on va pas se le cacher. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et justement, tu disais qu'il est un petit peu lourd dans ses expositions et tout. Bah, je trouve que là où il est le plus, alors même si j'ai adoré le film, là où il est le plus, c'est dans le troisième Batman, Dark Knight Rises. Celui-là, je le trouve excessivement long. Ouais, c'est pas faux. Ça fait un an que je l'ai pas vu, il faudrait que je le revoie. Parce que lui, en fait, il y a ben justement il y a tellement de personnages, tellement de trucs à placer, mais que c'est lourd, quoi. Et surtout que cette lourdeur est encore plus soutenue par le fait qu'il y ait des facilités, des incohérences de partout, quoi. Et c'est con parce que tu te dis que le premier Batman Begins, ben, il était certes classique, mais c'était très efficace. Dark Knight, n'en parlons pas. Mais le 3, c'est, même s'il est très divertissant, qu'il y a plein de trucs hyper intéressants, mais il y a plein de problèmes scénaristiques et des décisions qui font, bah, c'est pas logique, quoi. Enfin, Non, mais globalement, je suis d'accord. Hein. Et je trouve que je pense que c'est à partir de là que les gens commençaient un petit peu à remettre un petit peu en doute l'écriture de Nolan, parce que justement derrière Interstellar, pareil, il y en a pas mal qui ont repris le truc. Et ensuite, Dunkerque, là, c'était plus la mise en scène et tout qui faisait que. Mais c'est à partir de là, de ce Batman qui a pas chuté, mais qui a eu un petit changement, quoi. Un petit hic dans la matrice. Moi, un truc qui me vient, je suis en train de lire le chat, mais c'est vrai que, blague à part, c'est un truc qui me revient. C'est effectivement le fait que t'aies pas vu Gravity au cinéma. Ce qui n'est pas grave, mais surtout que tu ne l'aies pas vu en 3D, ce qui, à mon sens, l'est un peu plus. Non pas que le film perde tout intérêt en 2D, je n'irai pas jusque-là, mais c'est un film qui vraiment a été pensé du début jusqu'à la fin pour la 3D. Pour la 3D, Et je pense que,
On dit souvent que la 3D, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose qui donne du sens en soi. C'est quelque chose qui est là pour souligner différents effets du film, etc. Ouais. Mais moi, je trouve que Gravity est justement un bon contre-exemple parce que pour moi, ça tape, la 3D tape à des endroits auxquels tu t'attendais pas. Parce qu'il y a des choses qui te sautent plus au visage. Et je ne parle pas simplement d'effets de surprise et d'entertainment, même en termes de sens. Il y a des choses qui te paraissent plus évidentes quand tu regardes le film en 3D. Et justement, du coup, je rebondis sur quelque chose qui est pas mal revenu sur Twitter en mode Gravity, il a un scénar basique. Ce avec quoi je suis totalement en opposition. Mais justement, selon moi, les gens qui ont pu regarder Gravity en 2D, ont pu peut-être, je dis bien peut-être, hein, passer à côté de choses moins évidentes. Et surtout que ce côté Gravity évite l'histoire basique, bah déjà en même temps, le genre n'aide pas, c'est un huis clos, donc c'est sûr que tu vas pas avoir des rebondissements de fou furieux, tu vas pas un retournement de situation style en fait, le clown est vivant, en fait non, c'est la NASA qui a réussi à couper le truc, enfin c'est beaucoup moins. Apte pour explorer un univers un petit peu interstellaire où là il y a beaucoup plus de personnages et de moyens pour justement remettre en cause le parcours des héros. C'est un petit peu plus centré sur les personnages. Mais après, justement, à travers l'image et les quelques scènes de dialogue, il y a tellement d'idées qui sont exploitées que tu peux. C'est un argument ou c'est un truc qui m'énerve, c'est d'entendre. Pour un film lambda, c'est le scénario tient sur un timbre-poste. Ou sur un post-it. Oui, moi aussi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que littéralement, chaque film de l'univers peut faire tenir son scénar sur un timbre-poste. Ça s'appelle le pitch, quoi. C'est ça. Tu peux résumer Fury Road sur un timbre-poste. C'est des mecs qui partent, ils reviennent. Pourtant, on est tous d'accord sur le fait que le film, c'est pas ça, quoi. Le film, c'est absolument pas ça, surtout qu'au-delà de l'aspect spectaculaire en plus de Mad Max, il y a beaucoup plus d'idées derrière. Enfin, c'est bien sûr. Arrêter, quoi. Je veux dire, il y a tout. Ouais. Enfin, bon, on va pas non plus parler de Fury Road parce que je pense qu'on est d'accord sur le sujet, mais c'est de la merde. Non mais ouais, ça va maintenant. Alors, Interstellar, je dois l'accepter, bon. Mais Mad Max, je dis non. Tu veux quoi? Tu veux qu'on se batte? Tu veux qu'on se la donne? Ok, c'est parti. Non mais Mad Max c'est furieux quoi. Mais même pour d'autres films et pour d'autres univers où on vient me dire bah oui mais le film c'est juste le mec il fait ci et puis il fait ça et puis voilà, bah oui mais tu peux résumer tous les films de la Terre. Dire Titanic, tu peux le résumer en disant c'est un bateau et il coule. Ok, yes, sauf que le film fait 3 heures, si vraiment c'était juste ça, ça se saurait quoi. 3h30. Donc c'est un bateau, il coule. Vendu. Non, mais c'est ça. Je vous donne 200 millions de budget, vous le faites. Ok. C'est comme le sketch de Dedo. Alors, c'est une patate qui vole. Ok, très bien. Merci. Ouais, faut être un petit peu plus étoffé personnage. Il a une cape. Vendu. Et c'est quoi le titre? Alors, c'est une patate qui vole. Très bien. On comprend parfaitement de quoi il est question. Ça va, les spectateurs ne seront pas perdus. C'est bon, on peut y aller. Psychose. Il y a un type qui est déséquilibré, il habite avec sa maman. Oui. Voilà, c'est ça. Non, mais on va jouer au jeu de résumer les films en une phrase. Mulan, c'est une meuf, elle se déguise en homme et puis à la fin, elle sauve la Chine. Voilà, merci. Voilà, amusez-vous, super. Abonnez-vous. Star Wars, c'est un enfant qui combat son père et qui sauve la galaxie. Voilà, c'est ça. Et il embrasse sa sœur, évidemment. Mais ouais, ça, il embrasse sa sœur. Ouais, au passage, histoire d'étoffer un peu, quoi. Ouais, si, un rebondissement de fou, voilà. Non, mais voilà, je veux dire. Mais pour revenir ouais, sur Gravity Interstellar, alors le fait qu'il soit Interstellar surtout, le fait qu'il soit complexe mais trop, je comprends l'argument. Mais après, ça enlève pas. Je dis pas qu'il est trop complexe, hein, je dis qu'il est trop expliqué. Trop expliqué, voilà, c'est ça, je trouvais plus beau. Parce qu'après, un trop, film peut être vachement complexe, etc. Et quand bien même, pour la petite parenthèse. On n'est pas forcément obligé de tout comprendre d'un film. C'est enfin, je veux dire. Et moi, c'est là justement que je trouve que Interstellar est bien, c'est que parfois t'as pas à la fois bien et pas bien parce que t'as des personnes qui vont pas comprendre tout dès le début et ils vont dire ouais j'ai rien compris, je regarde plus. Mais d'autres qui vont essayer de. Ça me l'avait fait avec Inception la première fois, j'ai pas tout compris donc j'ai voulu le revoir plusieurs fois.
et en se le revoyant plusieurs fois, que déjà tu saisis mieux l'intrigue et mieux les enjeux, et ensuite que tu profites plus. Et Interstellar, je pense que c'est à peu près le même principe, c'est qu'il y a tellement d'informations que soit ça te perd totalement, donc tu suis plus, mais soit ça t'incite vraiment à t'y intéresser et à voir justement ce que ça permet de découvrir et de comprendre, et ça te permet de revoir le film et de peut-être plus l'apprécier sur le temps, quoi. Ouais. Et je trouve aussi moi, que j'ai pas ressenti le besoin de revoir Interstellar pour voilà, il y a certains qui parce que ça c'est oh, merde. Mais Je dis ça, non, mais écoute, si t'es trop con pour comprendre Interstellar du premier coup, c'est ton problème. Ouais, c'est ton problème. Hein. Je ne suis pas là pour juger. Hein. Je ne suis personne. Hein. Je ne suis qu'un petit, un petit monsieur de YouTube qui fait des vidéos dans sa chambre. Hein. Je ne vais pas critiquer. Mais après aussi, ce que j'aime bien, alors c'est juste Interstellar. Ça parle de beaucoup de choses scientifiques et ça te donne envie de t'intéresser. Alors ça, c'est purement subjectif. Ouais. Mais là, il y a pas mal de choses qui sont abordées sur, sur l'espace, et je trouve que ça te donne plus envie de découvrir que Gravity. Vu Gravity, ça se part en couille, la mission. Mais ça donne pas envie. Et justement, le fait que... Ça te dégoûte de l'espace. Ah, ça te dégoûte, ouais. Gravity, non, j'ai vu... Je veux plus aller dans l'espace, c'est mort. J'arrête d'être cosmonaute. Je vais plutôt vendre du savon. Sur Mars, non, je vais éviter. Hein, Chérie, on a des vacances, hein. Mais non, mais je veux dire, le fait que ça soit vraiment ancré, et ça, c'est Simon Nolan, c'est que ça va être le plus réaliste entre guillemets possible. Enfin, pas plus réaliste, mais en tout cas le plus vraisemblable possible. Donc le fait qu'il se soit entouré de pas mal de personnes dans le domaine pour faire son histoire et tout, vu que ça reste vraisemblable, ça te donne envie de t'intéresser davantage, quoi. Et en plus, quand tu vois ça en image, quand tu vois les trous noirs, quand tu vois Gargantua à la fin, les images et tout, c'est... Dans le même principe, ça te fout plein les yeux, quoi. Titre. De toute façon, voilà, c'est le truc qu'on peut dire aussi, c'est que les deux films sont magnifiques, à leur manière, mais... Vivian Interstellar, monsieur Canal a tout compris. Et... Mais après, c'est suivant aussi la sensibilité, parce que on va dire que Gravity, c'est plus la technique. Non, c'est pas juste la technique. Pas juste la technique, bien sûr, mais je veux dire, mais pas juste la technique, évidemment. Mais moi, c'est ce que j'aime bien dans Interstellar aussi, c'est le fait que ce soit, tu sais, des maquettes justement pour mettre en place des vaisseaux, pour filmer les trucs. Je sais pas, je trouve ça plus proche de nous, quoi. Ça va plus. Ça, c'est après, c'est. Moi, je préfère, par exemple, quand les films, c'est fait vraiment de A à Z, palette de fond vert ou de fond bleu, par exemple. Et le fait de voir les planètes qui sont presque des décors naturels, moi, ça me fait rêver, quoi. Et à l'inverse, Gravity, justement, le fait que ça use de l'inverse, mais ça reste tellement bien fait, tellement ouf, que ça t'immerge dans le truc, quoi. Donc, ouais. Dans les deux sens, t'as deux mises en scène différentes. Et après, ça va être sur ce que tu préfères, quoi, à mon sens. Et en tous les cas, ça reste... Après, moi, je... J'avoue quand même que Gravity, ça reste le plus immersif. Je suis d'accord avec toi, en fait, sur le... Oh, j'avoue, sur voilà. Je suis d'accord avec toi sur... J'avoue, arrêtez, c'est bon. Sur le... Ah, putain. Sur le... Je vais y arriver. Oui, sur le fait qu'effectivement, Interstellar est plus proche de nous avec des effets spéciaux... plus dur, en dur, c'est ce que je dis à chaque fois, en dur, plus c'est voilà, traditionnel, voilà, c'est ça, on comprend l'idée, mais à l'inverse, tu vois, je trouve Interstellar beaucoup plus loin de nous en termes de thématique, c'est des choses qui vont jamais nous arriver, si je puis me permettre, a priori, alors que Gravity, si le prisme de l'espace reste quelque chose d'inaccessible, effectivement, c'est, je sais plus qui l'a dit sur le, c'est Bouillabaisse. Il y a toute la thématique du deuil qui est explorée dans Gravity, et c'est même, j'allais dire, le centre du film. C'est les différentes phases d'acceptation de Ryan Stone à travers effectivement les épreuves qu'il va traverser, etc. Donc moi je suis beaucoup plus captivé par quelque chose d'aussi humain que ce qui arrive à Ryan Stone
Encore une fois, les emmerdes qui lui arrivent, ça pourrait se passer ailleurs. Ce serait moins intéressant, mais ça pourrait se passer ailleurs. Oui, ça, c'est sûr. Alors que Interstellar est tellement à des années-lumière comment dire. C'est plus de l'anticipation dans ce, si je comprends mieux. C'est en gros Interstellar. Oui, c'est plus proche de nous parce que. Il y a Bob Lecon, entre parenthèses, il y a Bob Lecon qui dit qu'Interstellar c'est aussi un plaidoyer écolo sur le changement climatique. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai un petit peu mis de côté, c'est vrai, autant pour moi. Ouais, tu fais bien. Mais oui, effectivement, oui. Bah, de toute façon, mais c'est pas ce que j'ai retenu du film. Oui, c'est sûr. Mais pour revenir à ce que tu disais, oui, Gravity, ça use de métaphores et de métaphores à la fois visuelles et tout. Et justement, c'est ça qui fait sa force. Donc, avec toutes les thématiques par rapport au deuil, à la solitude et par rapport aux éléments. Donc, il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants dans le film et qui, justement, demandent un petit effort en plus pour justement les remarquer. Et c'est ça qui fait aussi... Et c'est ça que j'aime dans ce genre de film, c'est que bah, le spectateur, il n'est pas juste un spectateur, quoi. Il doit se concentrer un petit peu plus pour pouvoir comprendre un petit peu tous les enjeux, etc. Et ça crée aussi l'effet inverse dans Interstellar, vu que tu lui donnes des clés un petit peu plus vite, donc peut-être que tu peux te sentir un petit peu plus, moins dedans, vu qu'on te donne les clés plus vite, peut-être. Enfin, bon, après, justement, je défends le truc que Interstellar, enfin, en tout cas, Nolan te donne les clés de base pour mieux comprendre la suite, et pour derrière, peut-être plus te choquer à la fin pour te retourner le truc. Mmh. Mais... Après, je suis entièrement d'accord sur le fait que Gravity, c'est beaucoup plus proche de notre société actuelle, tandis que Interstellar, c'est beaucoup plus de l'anticipation et savoir bah, qu'est-ce qui se passerait si. Mm. Donc peut-être que justement, dans cette manière d'approcher le futur, bah, les gens seront moins de temps parce qu'ils se disent bah, c'est qu'une possibilité à l'avenir. Mm. Et surtout que Interstellar reste quand même assez pessimiste dans son propos. C'est vrai. Pas que dans l'histoire globale, mais aussi par rapport au personnage. Je trouve ça assez pessimiste, on va dire, assez sombre. Avec quand même des lueurs d'espoir, évidemment, pour pas choquer le spectateur. mais Gravity, oui, c'est beaucoup plus proche, vu que bah, c'est ce qui se passe en ce moment. La conquête de l'espace, c'est un petit peu ce qui nous. Ce qu'on aimerait faire dans les années à venir, dans les prochaines années, quoi. Donc pas dans les prochaines décennies. Mmh. Donc je suis entièrement d'accord, ouais. Mmh. Interstellar, c'est plus directement, même si on est d'accord que la science-fiction permet toujours de raconter des choses proches de nous, Interstellar est plus ancré science-fiction que Gravity, c'est peut-être ça qui te plaît plus. Mais en fait, je pense qu'aussi, justement, le fait que tu dises que le fait que ce soit plus anticipation, alors ça, c'est il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ça, je pense que c'est un problème de communication. Par rapport à Interstellar, parce que je pense qu'ils ont vendu un film Interstellar comme le film le plus réaliste sur l'espace et tout. Alors que c'est Gravity. Alors que. Mais disons, Gravity, c'est pas plus, on va dire, c'est pas plus réaliste, mais c'est le plus proche, on va dire, de ce que pourrait ressembler. Tandis que Interstellar, même si ça se base sur des théories scientifiques très recherchées, etc., ça reste fantasy. Bah, ça reste quand même. Le point de vue d'un auteur, quoi. Parce qu'à la fin, dans ce qui se passe dans le trou noir, bah, c'est pas ce qui va se passer dans la vraie vie, quoi. Bah oui, effectivement. Donc, c'est que quand. Alors, on va surveiller toutes nos armoires. Dire, oh, ce qui se passe à la fin, les armoires, c'est complètement incohérent, c'est vraisemblable. Bah oui, mais ça reste sa vision. Enfin, c'est. Et justement, quand tu vas au cinéma aussi, t'as envie de voir des choses nouvelles aussi. T'as envie de voir des visions d'auteur. T'as envie de voir bah, qu'est-ce que pense ce mec, qu'est-ce qui peut se passer. Justement, t'as envie d'être surpris par ces nouvelles. Par ces nouvelles idées, justement, c'est ça aussi qui fait sa force. C'est à la fois ce qui peut te perdre, mais dans l'autre, de dire, mais putain, mais c'est trop bien qu'on a une nouvelle idée, quoi. C'est vrai que c'est un truc qu'on peut pas reprocher à Interstellar, que je ne reprocherai pas, c'est que c'est pas un film qu'on a déjà vu ailleurs, clairement, ou sous une autre forme. C'est vraiment un film qui... N'est-ce pas, Seul sur Mars? Ah non, me dis pas du mal de Seul sur Mars, moi j'aime bien Seul sur Mars. Oh, j'aime bien, mais bon... Ça va. Après, je. Voyez-le en 3D. Blague à part. Il faut le voir. J'ai vu en 3D. Enfin, Seul sur Mars, je l'ai vu en 3D cinéma. Voilà, je me suis mis en condition et tout. Bien. Mais je sais pas, j'ai vraiment pas accroché quoi. C'est cool, tu vois. C'était sympa, mais sans plus. Ouais, je vais pas non plus défendre envers et contre tout Seul sur Mars. Hein. J'ai bien aimé, mais effectivement, c'est pas non plus un film de chevet.
Ah, mais oui, tu, c'est sûr. Tu vois, pour continuer un petit peu dans le débat, moi je pense que. Parce que justement, effectivement, on avait déjà eu cette discussion avec je sais plus qui, mais moi je pense que Gravity, dans quelques années, c'est peut-être même déjà le cas, je sais que c'est déjà le cas pour Fury Road, mais je pense que dans quelques années, Gravity sera enseigné dans les écoles de cinéma. Il sera présenté comme un modèle de cadre, de mise en scène, etc. Je pense que c'est un film qui servira d'exemple pour pas mal de choses. À l'inverse, même s'il est très bien, je pense pas qu'Interstellar marquera l'histoire du cinéma autant que Gravity. Après, ça, c'est un avis perso. Hein. Tu me poses une colle. Parce que j'aurais tendance à dire oui, parce que justement, en fait, Gravity, pour moi, pour moi, oui, Interstellar, tu vois, c'est le film d'une... Ça représente au mieux le cinéma, en fait. Ouais. C'est-à-dire représenter des choses par des images. C'est ce qu'il fait de mieux. Donc, et surtout, c'est vrai que par rapport à d'autres films à cette époque-là, des films de l'espace, t'en avais... Bon, t'as évidemment, t'as 2001, le titre de l'espace, t'as Mission to Mars à la limite de Brian De Palma, mais après, Gravity, ça reste quand même ultra impressionnant, surtout à cette époque-là. Interstellar, tu vois, pour moi, c'est Interstellar, un film... Interstellar, pareil, ça, c'est un ça film... apporte des choses... Oui, pardon, vas-y. Non, moi, je voulais dire que Interstellar, c'est un film qui est totalement... ancré dans son époque. C'est pas un film qui pourra... par exemple, 2001, tu vois... C'est un film qui traverse les années, tu vois, qui, grâce aussi à son parti pris des maquettes, etc. C'est un film qui, je pense, peut continuer de traverser le temps, peut toucher des nouvelles générations de cinéphiles, etc. C'est pas un film, c'est pas un film dans 20 ans, les jeunes qui font du cinéma diront « Oh, c'est un film de vieux con ». C'est à l'inverse de d'autres, peut-être d'autres auteurs. Et par exemple, moi, j'ai eu une douche froide, c'était l'an dernier, je crois, quand j'ai vu La Folle Histoire de l'Espace, que tout le monde m'a vendu comme un truc trop drôle. Je n'ai pas ri une seule fois parce que je pense que c'est un film de son époque qui est très ancré dans son temps. Faut avoir vécu à l'époque de la Star Wars mania, etc. Enfin, faut savoir où est-ce qu'on est, etc. Faut savoir où est-ce qu'on va, etc. C'est un film vraiment qui est ancré dans son temps. Et selon moi, Interstellar, c'est le même problème. C'est-à-dire que dans 20 ans, les gens diront « Ah ouais, Interstellar, c'est un film typical 2010 ». Typical de la décennie 2010 et effectivement aujourd'hui c'est plus cet aspect là qui nous intéresse, on est parti sur autre chose, alors que Gravity est selon moi je dis pas que ça le rend meilleur ou je sais pas quoi, mais ça, pour moi Gravity c'est un film plus universel qui peut traverser les années. Et je pense que justement, on parle toujours de la technique etc, mais effectivement Cuaron a tellement travaillé son truc, que c'est un film qui, je pense, va pas vieillir de sitôt. Il y a des images de synthèse qui ont été faites il y a quelques années, qui ont totalement vieilli, qui sont dépassées, qui sont irregardables. Des trucs comme, je dis ça parce que j'ai vu Tarzan hier, mais des trucs comme Dinosaur. Dinosaur, c'est irregardable aujourd'hui. C'est même pas peine d'essayer, quoi. Tu peux même partir sur des films plus récents, hein, style Deadpool 2. J'adorais le film, hein. Mais pour moi, il y a des effets spéciaux qui sont ultra moches. Ouais, ouais. Et tu te dis que 8 ans avant, t'as Gravity qui te fait ça, bah voilà quoi. Non, mais on est d'accord. Et à l'inverse, tu vois, il y a. C'est pas le même budget, mais bon, quand même, ça a évolué quoi. Il y a. Pareil, je l'ai revu il y a pas très longtemps, il y a Titanic. Titanic 97. Je veux dire, Jurassic Park, c'était pas si loin. Jurassic Park aussi. C'est des films dont les effets spéciaux vont pas vieillir de sitôt. Et je pense que c'est le cas aussi pour Gravity, qui pourtant n'a pas un budget si incroyable que ça. C'est pas le blockbuster de l'année, Gravity quoi. Ça reste avant tout un film d'auteur et il a été vendu comme tel, tu vois. C'est que là aussi, les gens n'ont pas compris. C'est que je pense que beaucoup de gens pensent que. Je pense que beaucoup de gens pensent que Gravity c'est un blockbuster. Et pareil pour Interstellar, je pense que le public pense que les deux films sont des blockbusters alors que c'est plus des visions d'auteur, quoi. Gravity, ça relate autant, un peu les. Autant Nolan les thématiques. Que Gravity, ouais. Oui, voilà, c'est pour ça. Donc, chaque film traduit les idées, les thématiques et les messages que veulent transmettre les réalisateurs. Et après, pour marquer plus, c'est sûr que Gravity va plus marquer
par sa maîtrise, on va dire. Interstellar sera peut-être plus, il va marquer parce qu'on va peut-être dire ouais, c'est la première fois qu'on qu'un film va essayer d'aller au-delà de ce qu'on connaît en donnant la première vision dans un trou noir, tu vois, peut-être dans ce style-là. Mais après, en ce moment, je tiens juste à dire que dans le vote Twitter, 67% préfèrent Interstellar qu'à Gravity. Je dis ça, je ne dis rien. Mais alors... c'est tes followers, c'est normal. Alors, c'est mes followers. Moi, mes votes, ça dépasse jamais les 70 en vote. On est quand même à 646. Enfin, je dis oui, ça, mais je dis rien. Mais parce que, peut-être tout... que ton message a aidé, mais tout le monde après, a mis voilà. son grain de sel dans cette histoire. mais voilà, je pose mon sel. Voilà. Avant que je tweete, on était sur du 76-24. Hein, donc, on a bien resserré les scores quand même. Mais ouais, moi je pense en fait que Gravity est mal compris en fait. Les gens voient, et c'est pour ça aussi que je milite schématiquement, c'est vrai que c'est un peu facile, mais comme j'ai la flemme de répéter toujours les mêmes arguments, je renvoie toujours la vidéo de Monsieur Bobine. mais en fait, là-bas, il arrête de faire chier. C'est ça. Mais moi, tu vois, ça fait partie des choses qu'on m'assène en mode, c'est comme ça. Gravity, il a un scénar nul. Enfin, il a pas un scénar nul, mais il a un scénar simpliste qui tient sur un post-it. C'est une claque technique, mais sinon, il y a rien. Les personnages sont pas attachants. C'est comme les gens qui me disent que, tu vois, c'est des idées reçues qui m'agacent. C'est comme les gens qui me disent que Titanic, c'est typical le gros blockbuster avec de l'amour, de l'action, de l'émotion. Et un quart d'heure d'action. Voilà, c'est ça. En mode, voilà, c'est typiquement calibré pour marcher, alors que c'est sans doute un des films les plus personnels de James Cameron, tu vois. Donc voilà, ça fait partie des idées reçues, ou encore Pokémon le film a un sous-texte très intéressant, lol PTDR. Ça fait partie des idées reçues qui recyclent en boucle. Alors, je veux bien que tu critiques Interstellar. Déjà cet après-midi, t'as critiqué Tarzan. Alors là, tu critiques pas le film Pokémon, hein. Là, on va pas s'entendre. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, voilà, il y a des gens qui viennent me dire, ah, oh, il y a un sous-texte sur l'identité, le clonage. Non, il y a que dalle. Et ils se battent pendant une heure, et puis à la fin, ils se disent que c'est pas bien de se battre. Ouais, voilà, 20 sur 20. Là, pour le coup, ouais, vraiment, le scénar peut tenir sur un post-it. Les Pokémon, ils se battent, et à la fin, ils se rendent compte que c'est pas bien de se battre, mais ils oublient, alors ils recommencent à se battre. Mais ça parle de la différence des autres et tout, de notre rapport à l'autre. Mais non, putain, ça parle de que dalle. Ça pose des questions sans jamais aller plus loin. Ça reste moi aussi. Pokémon. Moi aussi, je peux tourner un film, dire qui sommes-nous, allons-nous, et ensuite me filmer en train de faire la cuisine pendant 1h30, et on va me dire waouh, ton film il pose des questions existentielles. Mon cul sur une commode. Ça bah justement, tu l'as vu Ghost Story ou pas? Oui. C'est bah, sorti l'année dernière. Oui, et oui, je l'ai vu. Mais Ghost Story, typiquement, c'est un film. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Interstellar. Ghost Story, c'est un film, je suis conscient. Comment dire? Je suis conscient que j'ai pas tout compris. Et qu'il va falloir que. Enfin, que je suis sans doute passé à côté de certaines choses. Qu'il va falloir que je le revoie pour me faire une deuxième opinion. Sur le coup. Comme toi, avec Dunkerque, je n'ai pas compris ce plan de la tarte. Mais il est ouf, ce plan de la tarte. Il faut que je comprenne pourquoi je le trouve ouf. Mais il est ouf. C'est un peu comme quand je suis sorti de Mulholland Drive. Je suis sorti de Mulholland Drive, j'étais en mode, j'ai rien compris, mais j'ai bien aimé. Mais j'ai rien compris, mais j'ai bien aimé, mais je pourrais pas dire pourquoi. Et du coup, il faut... Moi, je l'ai regardé avec ma fille, à la fin du film, je la regarde comme ça, je lui fais, t'as compris? Non. C'était bien? Ouais. Mais voilà, c'est ça, quand tu sors de Mulholland Drive, t'es en mode, j'ai rien compris, mais j'ai beaucoup aimé. Mais il va falloir que je revoie. Mais justement, c'est le genre de film, c'est que tu vois une première fois, tu comprends pas parce que t'as pas toutes les clés ou parce que ça commence à partir dans tous les sens. Et je trouve que Nolan, c'est un peu le même principe, bien sûr, en beaucoup plus soft. Hein. C'est pas David Lynch, hein, Nolan, mais en gros, il va te commencer à te donner des clés pour mieux te perdre après, que ce soit dans Inception, Memento ou Interstellar. Ah, je sais pas, moi, si Inception, Memento et Interstellar, c'est des films, c'est pas pour me la péter ou quoi, mais j'ai pas ressenti le besoin de les revoir pour tout comprendre. C'est-à-dire que je suis sorti du film, j'étais en mode, ok, j'ai compris de A à Z, et ça rend pas, il n'y a pas de mystère que je souhaite approfondir lors d'un deuxième visionnage, je ressentais pas ce besoin. Memento, non, parce qu'au-delà de cet aspect de montage, l'histoire reste quand même assez basique. Il n'y a pas de
n'est pas non plus des sbroufs monstrueuses. Inception, c'est plus pour comprendre comment ça marche, mais pas comprendre l'histoire. Donc, Interstellar, t'as quand même 2-3 moments de... Je trouve des moments où tu te dis, attends, je comprends rien. Et vu que ça passe assez vite au début, tu te dis, par exemple, le premier moment où ils sont en train de passer dans un trou de verre et tu vois un Attaway qui commence à toucher une sorte d'onde bizarre et tout. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? Après, tu comprends que c'est Matthew McConaughey, mais tu te dis, mais comment c'est possible? Tu te dis, voilà, peut-être en revoyant le truc. Et justement, je trouve que Nolan essaie de justement complexifier ses intrigues avec ses petits aspects. Je te donne les clés au début, puis je reviens là-dessus plus tard pour que tu puisses comprendre, et derrière pour que je puisse justement te surprendre avec ça. Ouais, mais tu vois, on en revient toujours à la même chose. C'est je trouve que Nolan prend son public pour un con à lui réexpliquer 30 fois quelque chose qui, selon moi, c'est peut-être moi qui suis trop intelligent. Pardon, je suis trop intelligent pour les films de Nolan. Excusez-moi. Mais excusez-moi d'avoir un cerveau. C'est le fait est que moi, tu m'expliques un truc une fois, j'ai compris. Et c'est pas la peine, enfin ça dépend, si tu m'expliques des choses un peu plus complexes que Interstellar, forcément je vais avoir un petit peu de mal, mais Interstellar c'est quand même assez simple à comprendre, un bébé pourrait le comprendre assez facilement, je dis pas ça pour toi, mais voilà, je veux dire voilà quoi, c'est... non j'exagère, mais voilà c'est pour dire que... Il y a ce truc de répéter 30 fois en mode t'es sûr que t'as bien compris? Si t'as pas compris, je te réexplique quoi. Il y a pas de souci, mais il y a pas de honte à dire qu'on comprend pas. Hein. Il y a pas de honte à ce que tout le monde a compris. Dire, vas-y, voilà, c'est ça. Tu peux me le dire, il y a pas de souci, je le prendrai pas pour moi. Et à l'inverse, c'est. Non, c'est pas grave, je comprends, tu puisses pas comprendre. Moi, il y a pas de problème. Même moi, j'ai pas compris au début. Mais vas-y, demande-moi, il y a pas de problème. Il y a un film que j'aime bien qui est, je trouve, honteusement sous-estimé. Je dis pas que c'est le film de l'année, mais je le trouve sous-estimé. C'est À la poursuite de demain, Tomorrowland. J'ai pas vu, putain, je vais le voir en plus. De Brad Bird, qui est vachement bien. Et il y a une réplique de George Clooney que je trouve parfaite. Et j'ai l'impression, mais là pour le coup, c'est vraiment sujet à interprétation. Mais j'ai l'impression que c'est, que c'est directement une pique à Nolan. C'est quand du coup il monte dans une sorte de vaisseau où on sait pas trop quoi justement. Et donc il est accompagné d'une jeune fille, et la jeune fille elle est en mode, oh, mais c'est ça, mais et ça marche comment, et pour ça, etc. George Clooney il se retourne et dit, t'en as pas marre de toujours vouloir tout expliquer, tu peux pas juste t'émerveiller? Et moi je trouve que c'est le problème d'Interstellar et d'Inception. Et Gravity, moi je suis devant, je me prends une claque, je suis émerveillé. C'est vrai que je suis d'accord. J'avoue, je suis d'accord. Moi, je te la laisse celle-là. Voilà, je te redonne le ballon. Bah, voilà, j'ai gagné. Bon, merci, salut. Allez, salut à tous. Bonne nuit, bonne soirée. Non, mais c'est vrai, surtout que c'est ce qu'on apprenait à mon école, c'est de dire, faut pas tout donner direct, quoi. Donc c'est vrai que ouais. Après, c'est moi, comme je dis, c'est bien que tu donnes une clé, que tu utilises quelque chose, mais que tu réutilises plus tard en essayant de faire partir sur une fausse piste. Mais c'est vrai que si t'en dis trop, bah. Après, il y a des choses qu'il faut quand même. Il y a des choses qu'il faut quand même expliquer. Je pense. C'est un peu HS, mais je pense à Armageddon, où on n'a jamais l'explication sur pourquoi on apprend à des ouvriers à être spationautes et pas l'inverse. Et dans le commentaire audio, il y a Ben Affleck qui dit quand j'ai demandé à Michael Bay pourquoi on faisait pas l'inverse, il m'a dit ferme ta gueule. Donc... ferme ta gueule et deviens astronaute. Non mais c'est ça. He told me to shut the fuck up. Surtout qu'il y a des choses que t'as pas besoin d'expliquer aussi. Oui. C'est le pur exemple chez Nolan, c'est par exemple les origines du Joker. Oui, voilà. Pas besoin de le dire, justement. C'est ça qui rend le personnage beaucoup plus complexe et intéressant, parce que justement, tu cherches à savoir pourquoi. Il n'y a pas, il y a pas de sens. Et je trouve que justement, c'est ce que j'ai ressenti en le revoyant. La réplique de Michael Caine en mode certaines personnes veulent juste voir le monde brûler. Moi, j'avais la chair de poule. Hein. J'étais en mode. Ça rend effectivement ça rend le Joker tellement terrifiant quoi. Il est imprévisible, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas pourquoi, etc. Et c'est ce qui rend aussi le bordel, c'est tout. C'est ça, et c'est ce qui rend le coup des deux télécommandes et des deux bateaux ultra puissant quoi.
Même si je savais la fin, j'étais en mode oh putain, mais c'est fort ce truc. Il veut juste foutre le bordel, mais il le dit pas. Parce que par exemple, quand tu écris un personnage et tout, tu dis, profite ça, je sais pas, pour le fun. Bon, ça, c'est dit comme ça, c'est un peu. Monsieur, quand même, dites pas ça. Mais justement, c'est le fait qu'en plus, ils disent plein de trucs par rapport à son origine, c'est jamais pareil. Ses intentions, elles sont jamais claires, elles sont jamais précises. Enfin, c'est ça qui fait l'âme du truc, c'est que. Il va te donner plein de fausses pistes, il te dira jamais la vérité, c'est ça qui te dit, mais putain, mais quelle version est vraie, qu'est-ce qu'il dit qui est faux, enfin, c'est, et c'est ça qui rend justement le personnage mais terrifiant, c'est que malgré cette envie de voir te brouiller la tête, ce qu'il fait, c'est tellement précis et tellement à la fois imprévisible et précis, tu te dis, mais tu peux pas le contrer, quoi. Mais tu peux créer. Et c'est pour ça que pour moi. Vas-y. Pour moi, que le Joker gagne à la fin. Oui. Mais c'est un des rares films où tu vois le méchant gagner dans un film de super-héros, et je trouve que pour moi le Joker à la fin a gagné. Voilà. Mais c'est ce qui fait. je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'on peut créer un personnage cool juste pour qu'il soit cool sans avoir à l'expliquer, etc. Et je reviens encore une fois comme quoi à Mad Max Fury Road, le guitariste. Il est cool, il est putain de cool. Et il y a des gens qui sont venus en disant je me suis pas posé la question pendant le film, donc voilà comme quoi. Mais après coup, je me dis, c'est complètement con. Le pétrole devient une denrée rare, et ce mec il gaspille de l'énergie juste pour balancer des flammes avec sa guitare. Et toi, t'es en mode, il y a un milliard d'explications possibles, et on peut tout à fait les imaginer. Arrête, c'est tellement cool. Notamment tout le truc, blague à part, notamment tout le truc du fait qu'on voit dès le début Immortan Joe qui contrôle les ressources. Donc, qui nous dit qu'on a vraiment une pénurie d'essence? C'est tout à fait possible qu'il la contrôle comme l'eau. C'est une piste, c'est une réflexion qu'on peut avoir soi-même, tu vois. Mais en soi, on n'a pas besoin d'avoir l'explication de pourquoi ce guitariste crache des flammes avec sa guitare. On s'en bat les couilles. Oui, c'est sûr et certain. C'est pas quelque chose qui va nous faire sortir du film, au contraire. Fait dans sa vie, ce qu'il a une famille et tout. Non. C'est ça. C'est un putain de guitariste lance-flamme, quoi. Ouais, t'as un guitariste lance-flamme sur une voiture avec des nombres de. Enfin, tu te dis, c'est le truc, tu te dis, mais c'est improbable. C'est tellement improbable que c'est devant ma télé, mon écran et tout. Tu te dis, mais c'est génial. Et puis voilà, c'est pas quelque chose qui te fait sortir parce que ça s'inscrit dans une logique. C'est-à-dire que la chasse est montrée vraiment comme un rituel. Il y a les tambours. Personne critique la présence des tambours. On critique le guitariste, mais les tambours, aucun souci. Donc la guerre est présentée comme une fête. Et c'est clair qu'il n'y a aucun problème à mettre un guitariste lance-flamme, tu vois. Moi, à aucun moment, je vais me dire « Attends, mais c'est pas crédible, un guitariste lance-flamme. » C'est quelque chose qui s'inscrit totalement dans la logique de cet univers, tu vois. Cette idée de savoir directement pourquoi il fait ça, moi, ça me fait penser à un autre débat. Bon, on va pas partir sur mille débats. Mais en gros, je me dis, enfin, tu regardes une première fois un film, et tu vas le voir au cinéma pour la première fois, et c'est de... Je trouve que les gens cherchent trop à analyser et à comprendre le film avant de vraiment profiter du truc. Et je dis ça parce que ça m'arrive de plus en plus et que je me dis, dès qu'il y a un truc qui me semble un peu aussi, ouais, c'est vrai que ce passage-là est un petit peu trop mou, ce personnage est un peu... Voilà. Et je trouve qu'on profite pas assez du truc, on se plonge pas assez dedans, quoi. Et justement, tu as des films qui réussissent à te donner cette sensation-là. Bah, moi, c'était Mad Max, justement. Et Mad Max, tu te dis, putain, mais du début à la fin, à la fois, c'est cohérent du début à la fin, donc t'as pas à te poser de questions, et t'as des idées, des trucs qui te hype tellement, qui te happe tellement, que tu te dis, ben, fuck le reste, je suis à fond dedans et j'y vais, quoi. Après, Mad Max, c'est comme ça sur mon fauteuil, j'en pouvais plus, quoi. Moi, et mon dernier coup de cœur comme ça, alors, je sais que ce film, je sais pas pourquoi, mais ce film a fait un bide au possible, c'était Le Roi Arthur. Le roi Arthur de Guy Ritchie. Le roi Arthur de Guy Ritchie. Alors moi, je l'ai mais surkiffé, mais ça a fait un bide monumental. Je t'avoue que depuis Snatch, après, je suis pas du tout fan du cinéma de Guy Ritchie. J'ai vu les deux Sherlock Holmes et ça m'a fait chier comme jamais. Mais Guy Ritchie, j'adore par sa, justement par sa mise en scène parce que c'est survitaminé au possible. Et le roi Arthur, c'est ça pendant 2 heures et t'en prends plein la tronche. Et je trouve justement sa gestion du rythme et tout, ça te happe dans le truc, quoi. Et tu auras des trucs totalement incohérents. Bah, à la fin, le roi Arthur il combat le méchant qui est un gros monstre noir tout baveux.
pas de sens. Oui, mais t'es tellement pris par le film, par son rythme, par ses idées et tout, que, mais que tu te laisses emporter. Et je trouve que pour certains films, en tout cas la majorité des films, bah, on se concentre trop sur des petits détails pour justement, et ça nous sort direct du film parce qu'on se concentre trop là-dessus, on se laisse pas assez emporter par les films. Alors peut-être que c'est la faute du film en lui-même parce que justement il y a des incohérences qui sont totalement visibles ou des trucs qui sont totalement pas crédibles du tout. Mais j'ai cette impression qu'on a plus envie de comprendre et analyser un film plus que par le côté je me laisse emporter et je profite quoi. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si c'était clair, mais Je pense que ça c'est lié. Je pense que ça c'est juste lié à l'érudition qu'on a du cinéma. C'est-à-dire que plus on en sait sur le cinéma, plus on comprend comment il fonctionne et tout simplement aussi plus on regarde de films, plus inconsciemment on comprend de quoi il est question. Moi je veux dire, comment dire, tu compares ma première vision de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban quand j'étais gamin à 12 ans, etc. Je suis sorti du film en mode c'était trop bien, c'est mon Harry Potter préféré, c'est vachement cool, etc. Et je le revois 12 ans plus tard et je suis en mode je comprends pourquoi c'est mon Harry Potter préféré. Il y a tout ce talent de la mise en scène, etc. Machin. C'est quelque chose que quand t'es pas spécialement attentif au cinéma, tu en profites, tu te contentes d'en profiter. Et quand tu es, plus tu regardes de films, tout simplement plus tu lis des bouquins. Et je pense que nous deux, on est critiques ciné YouTube. Je veux dire, on est pile dedans. Je veux dire, il faut qu'on fasse de l'analyse pour écrire nos vidéos. Donc, par définition, on se met à analyser logiquement. Mais je vois ce que tu veux dire dans la mesure où ça m'a fait ça il n'y a pas très longtemps pour Les Amours Imaginaires de Xavier Dolan. Enfin, je dis il n'y a pas très longtemps, ça devait être l'an dernier. Mais quand je l'ai vu, je me suis directement dit... je comprends tout ce qu'il y a à analyser dans ce film. Je serais dans une école de ciné, j'arriverais à pondre un truc de 5 pages dessus parce que c'est écrit gros. C'est une image, mais c'est pour dire que la symbolique dans Les Amours Imaginaires est super accessible, super compréhensible, etc. Et je pense que quelqu'un qui s'y connaît pas trop en cinéma, devant le film, va directement faire le lien, comprendre qu'est-ce qui machin, pourquoi ça match, etc. Quel est le sens de mettre un gros plan ici, des couleurs, etc. C'est un film, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est un film qui est écrit gros. Ce qui ne veut pas dire Dolan, qu'il est mal écrit, c'est écrit gros. Comme tu disais, ouais, c'est écrit gros, mais je trouve que c'est un peu le cinéma de Dolan. Je trouve que ses effets de mise en scène, en tout cas les idées qu'il veut faire passer par l'image, ça se voit direct. C'est pas faux. Alors certes, c'est très travaillé et tout, mais ça se voit très très vite pourquoi il fait ça, quoi. Bah, ne serait-ce que Mommy. Par exemple, là, c'était pour le premier film que j'ai vu de là, bah, c'était Mommy, justement. Et ses idées, ça se voyait super vite. Mais bien sûr. Alors, au contraire, c'était très bien. Je pense que Dolan, c'est quand même très 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 bon réalisateur. Mais c'est vrai que... Je sais pas si c'est comme tu dis le fait que je commence à analyser et tout, etc. Mais c'est vrai qu'en voyant un film de Dolan, tu vois directement ce qu'il veut dire à travers l'image, quoi. Contrairement à Quaron dans Gravity, où là, ses idées, c'est quand même beaucoup plus recherché, plus subtil, c'est visuel, mais faut quand même aller chercher loin pour comprendre vraiment ce qu'il veut dire, quoi. Bien sûr. Bah comme en ayant vu la vidéo de Monsieur Bobine qui m'a pas mal aidé pour justement. Clore mon avis définitif sur le film, bah t'as des idées de trucs que j'avais pas vu dès le départ, quoi. Et justement, c'est en voyant que. Ah putain, attends, c'est vrai ce qu'il dit. En voyant tout, il dit ah ouais, c'est vrai, ça peut être possible, quoi. Donc, t'as des réalisateurs qui, eux, vont jouer sur la carte de la subtilité, d'autres vont être plus visuels, et certains sauront mieux faire la part des choses entre les deux, quoi. Il y a ça aussi, c'est ce que je disais, il y a ça aussi chez son pote Del Toro. Et là, j'en vois les gens à la vidéo de Monsieur Bobine sur Pacific Rim, où quand tu vois Pacific Rim la première fois, enfin moi la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode c'est putain de génial. Et en voyant la vidéo de Monsieur Bobine, je me suis dit oui, d'une part je comprends certaines choses que j'avais pas captées et d'autre part c'est encore plus génial que ce que je pensais parce que voilà justement c'est fin, c'est machin, etc. Et je trouve que Gravity est fin et que Interstellar l'est pas, voilà.
fin du débat. Hop, j'ai gagné. Fin du débat, allez, salut, voilà. Bah oui, c'est Gravity plus fin qu'Interstellar, ça c'est sûr. Parce que justement, ça c'est les deux genres qui font que, vu que un se concentre un petit peu plus sur le dialogue et l'autre sur l'image, donc c'est normal. Après, voilà, si on doit parler de ressenti pur. Mais Interstellar, c'est mieux. Non. Non. Mais je pense que s'il faut parler de ressenti pur, parce que je pense que c'est aussi de ça dont il est question dans ce débat, parce que je pense qu'on est tous les deux, on est tous les deux d'accord pour dire que l'autre film est bien, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais moi, Gravity, je reviens dessus, etc. Je réutilise les mêmes mots, mais il n'y en a pas d'autre qui me vient. C'était une putain de claque. Et j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Quand Ryan Stone a enfin touché terre, avec en plus derrière la musique de Steven Price. Oui, j'ai vu que t'as essayé de tricher avant le début de l'acte, t'avais mis la musique de Gravity. J'ai aussi mis celle d'Interstellar. J'ai aussi mis celle d'Interstellar. Ensuite, t'as mis celle de Jimmy Ricardo d'Interstellar Exorcist. J'ai dit, ok, c'est bon, ça voilà, va. Hein, on est d'accord. Moi, j'étais totalement bouleversé. J'étais totalement tué, etc. Et encore une fois, j'y reviens, mais tout le monde a fait un flan de la scène des vidéos. Et justement, en fait, on m'a rendu le personnage du père pas spécialement sympathique. J'ai pas vu spécialement de connexion, etc. Parce que tout était surexpliqué, machin. Résultat, ça ne m'a rien fait. Toi, qu'est-ce qui t'embarque à ce point dans Interstellar ? Qu'est-ce qui te fait te dire tout putain ce film est une tuerie interstellaire te dire comme ça d'un coup je pourrais, mais justement c'est genre de film, tu te dis t'as des films comme ça, tu les adores pour tout mais tu saurais pas dire définitivement clairement pourquoi quoi, parce que je sais que c'est mon film préféré, parce que c'est le seul qui arrive à me transporter mais de A à Z, il y a aucun moment où je suis perdu parce que je suis happé dedans. C'est juste que je trouve les personnages, moi, à mon sens, ultra attachants, qui évoluent dans le bon sens et qui transmettent des idées et des messages qui me transportent. Moi, je trouve que, par exemple, il y en a beaucoup qui ont chié dessus sur cette fameuse théorie sur l'amour. Moi, je trouve justement que je la trouve juste magnifique. Et il y a plein d'éléments comme ça. C'est la musique qui me transporte à chaque fois. Ces envolées lyriques, enfin, je pourrais pas te le dire clairement pourquoi. Je pense qu'il me faudrait des heures pour expliquer de A à Z pourquoi, mais c'est un film qui me fait voyager et c'est un film qui me dit que voilà, c'est le genre de d'émotions et d'idées que j'ai envie de partager si un jour je travaille dans le cinéma, et c'est le genre de choses que j'aimerais. Justement, faire plus tard, c'est parler de sujets lambda pour arriver à des thématiques beaucoup plus complexes et aller au-delà de ce qu'on pourrait faire. Mmh. Et voir ces personnages évoluer dans l'espace avec qui sont contre les éléments, un peu comme Madame Stone, bah moi, ça me transporte totalement. Quoi. Et le truc, c'est que justement, tu as soulevé un point, parce que moi, ça a été l'inverse. C'est un peu... Je pense que le fait que tu aies vu Gravity en premier, que justement, ça t'a bouleversé... J'ai pas vu Gravity en premier. Le fait que tu aies vu Interstellar après... Non, j'ai vu Interstellar en premier. Hein. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Parce que moi, j'ai vu Interstellar en premier et... Bah voilà. Et Gravity, vu que moi, je l'ai pas vu... Alors peut-être que ça joue aussi, le fait que j'ai pas vu au cinéma et en 3D, ça doit jouer. Viens chez moi, j'ai un projet 3D, on se le remate, et puis comme ça, tu fermeras ta gueule définitivement. Moi, un jour, je te montre mon personnage en 3D et tout. Non, il n'y a pas de 3D. Mais montre-le-moi en IMAX, amène-moi dans une salle IMAX, peut-être que je changerai d'avis. D'avis. Ah bah si je peux trouver un cinéma qui le montre en IMAX, putain, mais je paie tout l'argent de ma vie. Je veux voir en IMAX. Oui, parce qu'à Bordeaux, il n'y a pas de salle IMAX. Bah, si ça peut te rassurer, il n'y en a pas tellement à Lyon. Il y en a une, mais ils diffusent jamais rien. Ils le gardent 3 jours. Enfin, bref. Voilà, ils diffusent Bienvenue chez les Ch'tis en IMAX. Super.
Non, mais c'est surtout qu'ils s'en servent pas. La scène du vélo en IMAX, elle est parfaite. L'IMAX, ça coûte trop cher, ça intéresse pas les spectateurs. Ouais, oh là 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 là, du coup, on fait rien. Par contre, on a une nouvelle scène, on a une nouvelle truc 4DX qui projette de l'eau. Venez, c'est trop bien. Tu sens les odeurs et tout, c'est génial. Voilà, c'est ah ça. Oui, ça, peut, alors, ça se trouve, c'est super cool, hein, mais IMAX, c'est bien aussi, ça coûte peut-être un peu moins cher. Voilà. Mais tout ça pour dire que, ouais, Interstellar, c'est... alors, le fait, ouais, évidemment, ça doit jouer aussi, que Nolan, c'est mon réalisateur préféré. Donc, ça joue. Ouais. Mais moi, Interstellar, à chaque fois, c'est... j'ai un autre poster devant moi, là, encore. Et... c'est un poster de quoi? Ah ben j'en ai trois de attends j'en ai trois ouais j'en ai trois de posters Interstellar. J'ai le cadre derrière là-bas et j'ai deux affiches en face. Ah oui d'accord, c'est trois posters d'Interstellar, d'accord, ok. Ah ouais, quand je te dis que c'est non, parce que moi je varie, j'ai Team America, j'ai la Kaguya, plus loin j'ai la tour de contrôle infernale. Toi non, c'est full Interstellar quoi. Alors j'ai Interstellar, j'ai Star Wars 7. J'ai un poster de Tarantino, de Justice League, Deception et de des Mignons. Moi voilà. j'ai un tableau de Conan et j'en ai deux autres de Old Boy et de Wally. C'est très très bien aussi. Enfin okay. Voilà quoi, pour dire que ces deux films ils sont très bien, mais ma préférence va pour Interstellar. Voilà. Qu'est-ce que je suis désolé d'insister hein, mais qu'est-ce que parce que t'as reconnu beaucoup de qualités dans Gravity, qu'est-ce qui le met légèrement en dessous d'Interstellar? Moi l'argument principal que je ressors à chaque fois et que j'avais dit au début, pour moi c'est l'enjeu. Je trouve qu'il y a plus d'enjeux dans Interstellar que dans Gravity. Ouais. Et c'est... le fait que et ensuite, le personnage, je trouve que les personnages abordent des thématiques, bah, justement, la famille aussi, dans un autre registre par rapport à Gravity, qui me touche beaucoup plus. Voilà, la relation parent-enfant qui me touche beaucoup. Le fait de voir aussi des thématiques que j'adore au cinéma, tout ce qui est la manipulation, etc. Donc, quand tu vois le Dr. Mann qui, en fait, c'est un gros connard. et c'est surtout la musique. Ça, c'est aussi un des éléments qui m'a tellement transporté, c'est la musique et les images. Les images parce que j'ai vu des choses que jamais j'aurais pu voir au cinéma. Je trouve que les plans sur les trous noirs, sur les trous de verre, je trouve ça mais d'une beauté qui me touche à chaque fois. Cette scène quand il commence à s'approcher de Gargantua à la fin, c'est je me dis qu'à chaque fois, mais c'est incroyable. Et cette musique après qui te happe et qui justement qui fonctionne grave pour les, par rapport aux émotions, c'est et justement qui arrive à manier justement cette justesse au niveau du rythme. On passe à des moments super doux avec ces passages très beaux. Justement, ça parle de notre ressenti de solitude quand on est dans l'espace. Et ensuite, on passe à des moments qui te viennent te claquer à la gueule quand ils sont sur la planète remplie d'eau où t'as les montagnes qui en fait ce sont des vagues. Là tu te dis ah merde et justement ça te donne des clés qui derrière te les retournent pour justement te et moi justement cette scène où il parle à ses enfants et qu'ils font en larmes, celle-là la première fois que je l'ai vue mais j'en pouvais plus quoi. J'étais en PLS sur mon fauteuil, j'ai dit mais arrêtez cette scène. Ça m'a marqué. Et en fait, ce qui m'a aussi vraiment marqué dans Interstellar, c'est ce côté sombre, en fait. Je trouve le film super dur, en fait. Alors il y a tellement de... c'est joyeux. C'est tout pas bon joyeux, mais je veux dire, par exemple... Je suis perdu dans l'espace. Je vais vraiment crever. Mais ouais, dur, parce que justement, ça... Quand il y a des morts, par exemple, bah... T'as les deux coéquipiers de Cooper et de Anna Tawai qui meurent, ils s'attardent pas dessus, enfin c'est ils pleurent pas leur mort, enfin c'est je dis putain mais c'est dur quoi, il y a des passages qui font que tu te dis mais c'est et comme disait pas impersonnel mais très froid en fait, et c'est ça qui me a, parce que on vend un film qui essaie de toucher une lueur d'espoir mais qui traite de trucs très sombres en fait et qui justement te retourne.
Et en fait, c'est moi la scène qui m'a le plus marqué. C'est pas la fameuse scène où il voit les vidéos. C'est en fait, c'est la première scène, c'est quand il s'en va. C'est quand il se dispute avec Murphy dans le lit et qui Murphy ne veut plus lui parler. C'est cette scène qui m'a le plus marqué. Parce que je la trouve d'une justesse, d'une sincérité qui fait que justement, je me suis vraiment attaché à ces personnages. Et que malgré le fait que Cooper parte quand même, ça marque sur l'enjeu qu'en fait, c'est pas juste, ça se concentre pas sur deux personnages, c'est l'avenir de la Terre qui est en jeu, quoi. Mmh. Cette envie de coloniser d'autres planètes, justement sauver l'humanité, et de te dire que t'as deux choix. Soit on arrive à coloniser une autre planète et on peut prendre les habitants de la Terre avec nous, soit ils crèvent tous et on recolonise une planète avec des œufs fécondés, quoi. Tu dis, ah oui, t'as soit tout, soit rien, quoi. Et c'est, je trouve que ça joue aussi. Et c'est ça qui manque pour moi dans Gravity, c'est que même si on s'attache énormément au personnage et que l'immersion se fait, bah, tu te dis qu'à la fin, bah oui, si elle meurt, alors c'est très froid, c'est très bien ce que je vais dire, mais si elle meurt, voilà. Tandis que si, par exemple, dans Interstellar, s'ils échouent leur mission, ben, il n'y a plus aucune issue. Ils sont condamnés tous, tu vois. Ouais, mais justement, en fait, moi, si tu veux... enfin, on en a déjà parlé en début de live, donc on ne va pas non plus tourner en rond. Mais pour moi, Interstellar, c'est des choses qui sont tellement lointaines que ça ne touche pas. Alors que la mort d'une personne qui déjà nous est présentée comme affaiblie, comme personnage, etc., émotionnellement fragile, etc., voilà, je veux dire, moi, ça rend cet enjeu-là beaucoup plus important. C'est un peu comme, j'y reviens, mais c'est un peu comme Titanic. La mort de Jack m'importe beaucoup plus que la mort des 2 millions de passagers dans l'eau, quoi. Même si la scène des cadavres dans l'eau est terrifiante, c'est la mort de Jack. Jack qui ne répond plus et Rose, Jack, réveille-toi. Non, non, je me réveille pas parce que je suis mort. Moi, à chaque fois, je suis en mode... Alors que voilà, quoi, c'est ça. Pourtant, il y a des scènes horribles dans Titanic qui concernent des kidams. Mais c'est justement des kidams qui sont présentés de manière personnelle, tu vois. Genre quand l'eau commence à s'engouffrer et qu'il y a la mère qui raconte une histoire à ses deux enfants pour les endormir en sachant qu'ils vont mourir. Ça, voilà, tu vois, c'est mis en exergue, etc., c'est mis en scène, ça me tue, tu vois. Et à côté, Interstellar est tellement loin de moi, est tellement rendu je suis tellement rendu insensible par le caractère des personnages, par le style de la réalisation de Nolan, etc., qui fait que je m'en fous. Alors que Gravity, il y a ce côté perso qui voilà, je suis beaucoup plus touché par le sort de un être humain avec qui je m'ai attaché que 100 000 pélos que je connais pas. C'est des proches qui avaient j'en ai absolument aucune relation. Blague à part, des proches avaient fait une petite boutade là-dessus en disant voilà, j'ai mon boucher, il y a pas très longtemps, son fils s'est tranché le doigt avec la machine à jambon. Il jouait avec, voilà. Ce jour-là, une grosse opération militaire au Timor, je crois. Il y a eu 500 000 morts ou 300 000, je sais plus, enfin un chiffre considérable. Et il disait, pour mon boucher, à votre avis, cette date-là, ça va être quelle date? Est-ce que ça va être la date de millions de personnes, de milliers de personnes dont il n'a jamais entendu parler, ou est-ce que ça va être le jour où son fils s'est entaillé le petit doigt? Son fils, c'est une théorie qui se tient. Et mine de rien, c'est moi, c'est après, toujours derrière, comme ça au cinéma. Je suis totalement sur le fait que, justement, c'est ce que disait le vrai pseudo. Après tout ce qu'elle vit et subit, on prie pour qu'elle survive. Ça, c'est l'effet, le point fort de Gravity. C'est que justement, elle passe par tellement d'épreuves que tu te dis que, voilà, à la fin, dès qu'elle rentre sur Terre, c'est une pression de dingue, quoi. Interstellar, c'est un peu pareil. Ils vont tellement loin, tu te dis, mais est-ce qu'ils vont revenir, quoi? C'est vraiment impressionnant parce que justement, c'est plus, entre guillemets, c'est plus physique dans Gravity. Donc, t'es plus attaché. Interstellar, c'est beaucoup plus. Elle est plus mentale, on va dire, même si
même s'il y a vraiment des étapes physiques dans le truc, mais c'est un peu le même principe. C'est les mecs, ils vont tellement loin dans l'espace, ils vont tellement loin pour justement essayer de sauver la Terre. Est-ce qu'ils vont y arriver, quoi? C'est un peu le même principe, mais après, comme tu dis, c'est suivant l'attachement et l'empathie des. Moi, si je m'étais attaché gens, plus au perso du vaisseau, ça m'aurait, je pense, plus embarqué. En soi, le sort de la Terre m'importe peu. Il y a des films où le sort de la Terre m'emporte, mais j'arrive plus à me rappeler lesquels. Mais Interstellar, je pense que je serais plus touché si les personnages m'étaient sympathiques. Je dis pas qu'ils me sont antipathiques, je dis que voilà, ils me touchent pas plus que ça. Il y a le perso d'Anne Hathaway que j'aime beaucoup. C'est Anne Hathaway et justement Cooper qui, avec sa relation avec ses deux enfants, qui vont créer l'empathie. Paradoxalement, pour moi, l'empathie perso, c'est créé pour Cooper grâce à ses enfants, et Anne Hathaway c'est justement par son message par rapport à l'amour qui justement est loin d'être cliché, parce qu'on a toujours cette carte ouais, mais Interstellar ça parle que de l'amour, c'est ça qui sauve à la fin du film. Oui, mais c'est tellement beau, et surtout c'est pas juste l'amour l'amour d'un homme et une femme, enfin une femme d'un homme, c'est l'amour qui transcende tout, que ce soit d'un parent envers ses enfants, etc. Et c'est tellement puissant que justement ça transcende et ça prend une version qui t'affecte encore plus, et ça m'a énormément affecté en fait, parce que je trouve que c'est une vision qui beaucoup plus complexe et beaucoup plus transcendant justement, et c'est ça qui m'a touché. Et c'est pour ça que dans la scène où je vois Romilly justement qui se réveille, justement je retrouve le nom, Romilly qui se réveille et qui dit putain ça fait 23 ans que vous êtes parti, et là quand tu vois les enfants grandir au fur et à mesure, tu te dis qu'ils ont tout raté, que justement il s'est passé tellement de choses et qu'il ne s'attarde pas assez sur la mort de certaines personnes, tu te dis putain c'est dur et t'as envie de va les retrouver quoi, va des enfin voilà quoi. Non mais je comprends, effectivement ça me paraît plus clair maintenant que tu le dis, et je peux comprendre effectivement, personnellement ça, pour moi ça marche pas, mais je peux comprendre que effectivement pour toi ça marche, ouais. Effectivement, ouais. Après je pense que ce qui a énormément joué c'est la musique. Parce que je la trouve juste incroyable, et ayant vu Hans Zimmer en live c'est encore plus, mais ça a vachement joué. Et justement pour revenir sur la thématique de ta chaîne, je trouve la VF géniale. Non mais de manière générale les VF de Warner sont quand c'est des doublages ciné, pas quand c'est des redoublages évidemment, mais Warner de manière générale quand ils sortent un film au ciné ils essayent de faire des bons trucs. Quand ils l'éditent en DVD c'est autre chose, mais quand ils sortent une VF au ciné ils essayent généralement de faire des bons trucs. Pourtant c'est souvent très compliqué pour les comédiens, parce que notamment pour les James Bond, les Avengers, etc., c'est pas des films Warner, mais c'est pour dire, généralement pour ce genre de films, ils ont très peu d'images, ils ont des milliards de cash, ils ont l'image en noir et blanc, des gros watermarks, donc c'est très très compliqué de s'impliquer dans un film comme ça. En revanche, pour des films peut-être moins attendus, je dis pas que Interstellar était pas attendu, hein, mais loin de là. Mais peut-être ils ont plus de liberté pour ce genre de film, en tout cas j'espère. Je sais que Gravity ils étaient pas mal libres, mais effectivement j'en sais pas beaucoup plus. Et ben écoute, je peux te proposer de se quitter sur cette touche d'espoir. La preuve qu'on peut discuter quand même posément, etc. On peut discuter sans s'insulter. Rendez-vous Gare du Nord. Mais blague à part, c'est aussi pour ça que j'aime bien organiser ce genre de truc. On avait fait pareil avec Maxime Robinet il y a quelques années pour parler de VF. C'est que Twitter n'est pas un endroit fait pour discuter d'un truc. Selon moi, c'est complètement con d'essayer d'avoir un débat sur Twitter, même si on est passé de 140 à 280 caractères. C'est une concision qui t'amène au clash direct, parce que t'as pas envie de faire une liste, un thread de 15 tweets pour expliquer point par point qu'est-ce que tu
qu'est-ce que tu adores dans, Gravity. Tu tentes des débuts pour faire comprendre direct que t'as raison. Alors, tu cherches une phrase coup de poing. Le problème de cette phrase coup de poing, c'est que l'autre va le vivre comme une agression. Et c'est pas. Parce qu'en plus, tu ne peux pas retranscrire l'intention ou l'intonation de la phrase sur Twitter. C'est alors ça. Que par exemple, dans la vraie vie, n'importe quelle phrase, je pourrais le dire soit sous le ton d'un ton plus léger, d'un ton plus ironique, ou d'un ton plus comique. Les gifs aident un petit peu à ça, je trouve, maintenant peut afficher les gifs, ça aide un petit peu. Mais oui, je suis d'accord sur le fond, effectivement, c'est le problème de Twitter. Et j'ai plusieurs amis qui m'ont dit, fut un temps, tu nous saoules en fait quand tu parles de ciné. Tu dis toujours les choses de manière implacable, comme si t'avais raison et point barre, il y avait rien à en dire. Et je suis en mode oui, mais ça c'est parce que, enfin, j'ai réfléchi, j'ai dit ah oui, peut-être que je fais ça, etc. J'essaye de faire des efforts à ce niveau, mais c'est vrai que de manière générale, je trouve que Twitter accentue énormément ça. Et blague à part, c'est un problème qu'a vécu Victor in the Panda. Quand il a parlé de Ready Player One, c'est qu'il a fallu faire un tweet à la sortie du film, et il était dans l'euphorie, etc. Il n'y a pas forcément moyen de discuter longuement sur Twitter, etc., de faire un thread 1/148, comme dit Bouillavez. Donc du coup, il a balancé « c'est pas la peine de faire d'autres films, on sortira rien de mieux cette année ». Résultat, ça a été utilisé dans la promo, tout le monde s'est foutu de sa gueule. A raison, parce que effectivement un tweet comme ça sorti de son contexte, etc. Voilà, mais ça illustre bien le fait que Twitter pousse à la concision, au clash, à la phrase choc, etc. Et du coup, on ne peut pas avoir une discussion correcte, parce que clairement, Victor ne pense pas que Ready Player One est le meilleur film de l'année, mais il fallait être concis, il fallait balancer un truc à la sortie du film, etc. Et c'était ça. Mais voilà, du coup, moi, quand quelqu'un me dit mais de toute manière, Interstellar, c'est vachement mieux que Gravity. Moi, déjà, la manière de le dire, tu vois, il y a un côté agressif, il y a un côté, c'est comme ça. Mais attention, c'est un truc que j'ai aussi, hein, quand moi je dis, mais Gravity, c'est meilleur qu'Interstellar. C'est-à-dire, pareil, tu vois, quelqu'un qui est extérieur au truc, qui a rien demandé, il va le vivre comme une agression, du coup, il va se sentir obligé de répondre. Et il n'y a pas de débat constructif qui se lance. Ça va être du, attends, tu vas quand même pas me dire que cette scène-là, elle est bien. Et toi, t'es en mode, bah si, de ouf, elle est vachement bien. Et du coup, voilà, tu te retrouves à faire du ping-pong sans intérêt. Du ping-pong, il n'y a aucune interaction, parce que justement, t'attends toujours la réponse de l'autre, ta réponse qui est en rapport de l'autre. Alors que justement, quand il y a un débat déjà beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus pratique pour comprendre l'autre. Bien et sûr. C'est surtout beaucoup plus sain, quoi. Parce que Twitter, oui, c'est malsain pour justement avoir des opinions, que ce soit pour le cinéma ou pour d'autres débats, quoi. Parce qu'on est tellement plus dans le... Comme tu dis, dans l'avis concis et l'avis pour justement imposer son truc directement pour éviter de justement expliquer ce qu'on doit dire, qu'il n'y a pas de débat, quoi. Donc, c'est pas. Ça ne sert à rien de débattre parce que sur Twitter. Ça ne sert à rien de débattre sur Twitter parce que justement, il n'y aura jamais de fond, il n'y aura jamais de fin. Ça arrive. Il y a des moments où ça arrive parce que les deux personnes arrivent à faire la part des choses, à s'écouter et surtout à vraiment faire. Le pour et le contre dans les tweets, justement, à avoir un esprit critique, mais certains ont du mal à l'écrit, quoi. Donc, bien sûr. Et puis, c'est quelque chose qui doit être progressif. Il y a un autre truc aussi avec Twitter qui est malsain, effectivement. C'est le problème des réseaux sociaux de manière générale, hein, c'est bien d'en être conscient. Mais quand on est sur un réseau social, quand on est sur Twitter, je trouve que Twitter, c'est encore plus concret. Quand on est dans Twitter, on est dans une bulle parce qu'on follow des gens qui ont les mêmes goûts que nous, qui ont les mêmes avis politiques que nous, etc. Mmh. Et du coup, tu vis dans une espèce de petite bulle. Moi, en avril, j'étais persuadé que Mélenchon serait président parce que je vivais dans une petite bulle Twitter où tous les gens que je followais, tous mes abos, ils voulaient voter Mélenchon. Et le truc, c'est que quand tu es dans une bulle comme ça, où tu as tout le monde autour de toi qui dit, par exemple, c'est pas le cas, mais par exemple, Gravity, c'est trop bien, que le jour où tu vois popper à cause d'un retweet, à cause d'un j'aime, à cause d'un truc pas prévu, d'une pub, d'un truc sponsorisé ou que sais-je, un avis contraire, tu le vis encore plus. Tu le vis de manière encore plus agressive. Parce que c'est quelqu'un qui a pas le même avis que toi, qui s'introduit dans ta bulle alors que t'as rien demandé. C'est exactement ça, ouais. Moi, j'avais ressenti ça justement
quand le véganisme et le féminisme ont commencé à vraiment devenir quelque chose de ultra important dans notre société. Oula, alors je mets des trigger warnings sur le lion. Non, mais je critique pas, au loin de là, ça, surtout que je suis pas du tout contre ni rien, c'est pas ça, c'est que le truc, c'est que je suis des gens qui parlaient pas de ça, et quand ça a popé, j'ai dit, mais attends, c'est si important que ça au début, mais j'étais jeune, hein, évidemment, et maintenant je m'en rends compte, mais c'est vrai que Twitter te crée comme tu dis, une petite bulle, ou en tout cas te donne des limites où tu penses qu'il se passe que ça, mais en fait quand tu commences à creuser, tu dis non, il y a beaucoup plus de choses, et il faut que tu élargisses ton propos, que tu élargisses tes avis, parce que sinon tu n'y arriveras pas, quoi. Et quand je vois certaines personnes sur Twitter ou sur YouTube qui se bloquent sur des détails ou sur des petites choses qui peuvent devenir parfois très violentes sur tes propos, tu te dis mais relax, mec, enfin c'est comme tu dis, surtout comme on a dit tout à l'heure, chacun peut avoir son avis. Au contraire, quand quelqu'un dit Gravity meilleur qu'Interstellar, bah il peut, c'est juste que je le bloque. Mais mais je dis juste que voilà, chacun a droit à son avis, tu me l'expliques. Enfin, même si tu préfères, je m'en fous, c'est ton avis, c'est ton opinion, tant mieux. Justement, je préfère que tu défendes tes propres avis plutôt que tu suives les avis des autres. Tu te dis, ouais, lui il a dit ça, donc je pense comme lui. Non, tu fais ton propre avis, et justement, je trouve que Twitter manque de ça, parce qu'on manque d'esprit critique et qu'on est trop ancré dans justement cette petite sphère qui te bloque et qui te limite à quelques avis qui ne sont pas le reflet de la réalité. Et c'est ça que les gens devraient comprendre, c'est que Twitter n'est pas la réalité. C'est devenu tellement puissant et tellement important dans notre vie que maintenant, voilà, je vois un article très intéressant, même les articles de journaux. Mmh. Maintenant, ils reprennent des tweets pour justifier leur truc. Et tu te dis à quel moment effectivement, tu vas prendre un tweet. Il y a quelqu'un preuve, qui le donne dans le chat. Il y a 58 millions d'électeurs pro-Trump et je n'en ai vu aucun. Oui, c'est ça, voilà. Mais là, pour Trump, c'était fou. C'était, tout le monde disait Hillary Clinton va gagner et tout. Non, c'est juste les gens qui suivent qui parlent de ça. Mais t'as d'autres Même à échelle plus petite, hein, je veux dire, moi j'ai. Je sais pas, il y en a qui ont suivi l'affaire, qui n'en est pas une, mais en gros, Cyril Hanouna, il a dit ah, invitez-moi à Burger Quiz. Alain Chabat, il a dit non. Et il a dit non, mais de toute manière, c'était pour lui faire plaisir. En vrai, j'en ai rien à péter, etc. Et moi, j'ai fait l'erreur de cliquer sur le tweet de Hanouna et j'ai découvert en dessous du tweet un monde que je n'avais jamais vu avant, le monde des fans de TPMP, avec plein de gens qui arrivent et qui disent mais c'est qui Alain Chabat? Moi je suis en mode ah, quoi? Mais non, mais c'est pas possible, c'est qui Alain Chabat? Et c'est ah, tout ça, et il suffit de cliquer sur quelque chose qui est extérieur à ta bulle pour découvrir un autre univers. Pareil, je découvre très régulièrement des youtubeurs qui ont 1,5 million d'abonnés dont j'ignorais totalement l'existence parce qu'ils sont pas du tout dans ma sphère, que les gens que je suis ne les connaissent pas, que les gens qui me suivent ne m'en parlent pas. Et du coup, un jour, au détour d'un truc, je tombe dessus, je suis en mode, mais il a 1,5 million d'abonnés, mais comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler de ce gars? Donc c'est... Moi, c'était récemment, c'était Mac Millar, tu sais, le rappeur, là. Ouais. Qui est mort. Qui est décédé et tout. J'en avais jamais entendu parler. Moi non plus, effectivement. Ouais. C'est le même principe. J'en avais... Après, je suis pas... Parce que c'est pas mon domaine et mes goûts musicaux, mais dans tous les cas, quand j'ai commencé à voir un petit peu qui il était, ben je me suis rendu compte qu'il était mais ultra connu, mais j'en avais jamais entendu parler. Et c'est ça fait peur parce que tu te dis que tu passes. Ça te fait peur parce que tu dis que tu passes à côté de tellement de choses que tu te dis mais est-ce que je suis trop fermé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais les bonnes choses pour voilà? Enfin, je sais pas. Ben, c'est de toute façon, moi, à mon sens, alors après, donc, on va beaucoup trop loin, mais je veux dire, je pense qu'on manque d'ouverture. Hmm. On a tendance à avoir peur de découvrir. Ouais, je sais pas. Mais après, c'est un autre débat, peut-être beaucoup plus philosophique, et qui n'a rien à voir avec le débat de Gravity Interstellar, mais voilà. Mais c'est aussi bien d'en parler, parce que, justement... Il y a ce côté, je vois Vicnet qui m'envoie une photo, je suis sûr que ça a un rapport avec le live, donc je me permets de l'ouvrir. Ah non, rien à voir. Bref,
On peut, je pense qu'on peut s'arrêter là, mais c'est vrai que je pense que c'était important d'expliquer pourquoi il y a ce clash et pourquoi c'est important de faire des lives ou des discussions IRL. On n'est pas obligé de les rendre publics, hein. Enfin, voilà, je le remets aussi à mon niveau, etc. Mais c'est pile poil ce qui est arrivé quand j'ai fait la vidéo sur Noob. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont arrivés en me disant « Quoi ? Mais qu'est-ce que tu dis du mal de Noob ?» etc. Il y a eu des discussions animées, etc. Il y a eu les gars de Noob qui ont réagi, certains bien, d'autres mal. Et après, moi, je suis allé à Japan Expo, j'ai eu une discussion posée avec le créateur de Noob et il en est ressorti des choses intéressantes. Parce qu'il ne faut pas se laisser piéger dans la spirale des réseaux sociaux et de cette volonté d'aller au clash et d'imposer ses idées, etc. Alors que c'est intéressant aussi juste d'en parler, même en privé, c'est bien aussi de pouvoir exprimer des choses, quoi. Et surtout, je pense qu'on progresse plus quand on parle justement en privé dans un débat beaucoup posé. C'est grâce à ça qu'on évolue plus rapidement et qu'on arrive justement à élargir son propos et ses avis, quoi, parce que sinon, si on reste bloqué sur cette manière de devoir toujours faire le plus clash possible, essayer d'être le plus connu, de faire des trucs fame, on va pas évoluer parce que justement on reste bloqué dans cette petite sphère. Alors que si on élargit son propos, on découvre d'autres choses et on remet un petit peu en question ce qu'on avait pensé auparavant et qui ça va nous permettre d'évoluer de l'après, quoi. Mais c'est super important de se remettre en question aussi, voilà. Ça, c'est sûr. Moi, je pense, à titre perso, je sais pas toi, moi, je pense que j'aurais un avis moins tranché sur Interstellar. Après, je continuerai de m'exprimer de la même manière sur les réseaux sociaux. Mais parce qu'il y a aussi un côté, il y a un côté running gag aussi dans le Gravity versus Interstellar. C'est-à-dire, c'est le running gag. J'ai fait un t-shirt exprès pour, j'aurais dû le mettre d'ailleurs, je suis con. Mais je vais faire le t-shirt inverse. Voilà. Et là, on refera un live et on fera un battle de t-shirt. Ouais, voilà. Avec plaisir. Non, mais voilà, sur Twitter, il y a aussi le running gag en mode. Non, mais voilà. C'est comme quand je dis que 22 Jump Street est ma comédie préférée. Je pense qu'en y réfléchissant deux minutes, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est pas mon film préféré. Mais c'est un running gag rigolo de dire non, mais tu connais 22 Jump Street ? Tu connais 22 Jump Street ? Parce que c'est vrai qu'au moment de sa sortie, j'ai fait chier tout le monde avec. Du coup, c'est bien d'entretenir un petit peu le truc. Et c'est pour ça que si jamais on se redit sur les réseaux sociaux, mais Gravity, c'est de la merde par rapport à Interstellar, je sais qu'on le pense pas en vrai. Voilà, c'est aussi intéressant. Non, justement, c'est tout sauf intéressant. Mais c'est rigolo d'entretenir le. Et parfois, ça fait du bien, justement, de rigoler un peu par rapport à ça. Oui, voilà, c'est ça. L'essentiel, c'est que les gens le prennent pas au premier degré. Oui, c'est ça. C'est surtout ça aussi qui manque affreusement. C'est ce manque de considération par rapport, justement, premier et second degré, quoi. C'est ça. Et puis même, c'est notre pensée première, quoi. C'est peut-être qu'il y a d'autres choses derrière, peut-être que c'est du point d'ouvrir. Il faut avoir cet esprit critique justement pour penser. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est forcément vrai ou c'est forcément faux, quoi. Il faut toujours avoir cet esprit de, voilà, est-ce que c'est modéré, est-ce que c'est réfléchi, est-ce que c'est, enfin voilà, quoi. C'est ça qui manque justement. Est-ce que moi personnellement, c'est ce que j'essaie de transmettre. Dans mes vidéos, c'est d'essayer de voir justement un petit peu plus loin que le premier discours, quoi. C'est faut vraiment garder cet esprit critique pour justement avoir la meilleure opinion possible, quoi. C'est pour ça que quand moi j'étais bloqué sur c'est bien Gravity, patati patata. Mais je dis ça alors que j'adore Gravity, quoi. J'adore ce film. Mais bien sûr, moi aussi j'aime bien Interstellar. C'est juste que Interstellar me touche beaucoup plus, c'est tout, mais je ne remets absolument pas en cause. Les gens ont super ont super mal pris, et incluant toi, ce que j'ai dit sur Tarzan, en disant, Tarzan, de manière générale, vous pouvez le mettre de côté. Comment dire ? Il ne faut pas le prendre en mode « Tarzan, c'est de la merde ». Il faut comprendre à travers ce tweet, j'ai revu Tarzan, j'ai pas trouvé ça ouf. Etc. Et puis voilà, après il y a son pseudo qui a relancé derrière. Et on a essayé en quelques tweets, parce que c'est compliqué, mais en quelques tweets j'ai expliqué que je trouvais que c'était un creux dans la nouvelle vague Disney. C'est-à-dire qu'avant il y avait Mulan qui était techniquement parfait et très intelligent en termes de scénar, et après il y avait Dinosaur qui est nul à chier mais qui est une révolution numérique.
Et que du coup, je trouve que Tarzan, c'est un petit peu le creux de la vague et qu'en plus, c'est pas très intéressant, etc. Mais voilà, mais évidemment, derrière, moi, je vais pas tweeter. Je trouve que Tarzan est un peu le creux de la vague et machin, et c'est pas très intéressant. Mais en fait, moi, je dis, Tarzan, c'est de la merde. Un peu dans ton... Moi, ce qui m'a trigger, c'est pour ça que j'ai un peu exagéré, mais ce qui m'a trigger, c'est quand t'as dit Phil Collins. On touche pas à Phil Collins. Voilà, on touche pas à Phil Collins. Ça, c'est du raisonnement typique de réseau social. Alors que je suis sûr qu'on peut trouver dans la discographie de Phil Collins des chansons que tu n'aimes pas. J'en suis convaincu. Oui, c'est sûr. Mais de toute façon, ça, justement, quand tu quand quelqu'un parle d'un film comme ça, bah, un peu ancien, il y aura toujours ce sentiment nostalgique aussi qui va jouer. C'est que t'as un film que toi, petit, t'adores et que quelqu'un va remettre en question, justement, avec un avis peut-être beaucoup plus... soit objectif ou peut-être plus critique, tu vois. Et donc, ça va pas te plaire parce que tu te dis « Mais attends, c'est le film de mon enfance, tu peux pas y toucher et tout !» J'avais vu ça sur... J'avais découvert une chaîne YouTube, je sais plus son nom, mais qui était très très bien. Et en fait, il avait fait une vidéo sur Le Roi et l'Oiseau. Et il commençait à remettre en doute un petit peu le film. Donc... Et chose que j'ai compris, parce que justement, il l'a vu avec un regard d'aujourd'hui. Déjà, c'est pas la même époque. Et moi, quand je l'ai vu gamin, bah, j'adore toujours ce film. Ouais. Mais quand tu regardes maintenant Le Roi et l'Oiseau, il va peut-être être beaucoup moins touché, ou un enfant va peut-être moins adhérer, parce que justement, c'est pas de son époque, quoi. C'est quelque moi, chose. C'est pas de la mienne non plus. Oui, c'est ça, voilà. Et en plus, c'est même pas de la mienne. Ça date des années 50, 60, donc c'est sûr que voilà. Quand j'ai découvert, j'avais 5-6 ans, et quand je l'ai vu, putain, mais c'était mais waouh quoi! Surtout que j'avais pas compris tout le côté poétique du film et tout, mais. Et pareil, il y a Bolchevik qui a fait une vidéo sur Le Roi Lion, où il explique quand même que bien qu'on aime tous Le Roi Lion et qu'il n'y a pas à avoir honte d'aimer Le Roi Lion, etc., c'est quand même un film affreusement réac, avec quelque chose d'assez moyen dans certains passages du film, notamment le fait que les hyènes soient ostracisées sans aucune raison, parce qu'il faut un antagoniste, et qu'en vrai, elles ne s'inscrivent pas dans le cercle de la vie, donc il y a tout le speech de Mufasa qui se pète la gueule. Donc voilà, et c'est vrai que quand tu prends 2 minutes pour y réfléchir, tu te dis oui, c'est pas faux, ça m'empêchera pas d'aimer Le Roi Lion, mais bon, moi en l'occurrence, j'aime pas Le Roi Lion, mais voilà, c'est pas... Moi j'ai plus tendance à préférer Le Roi Léo. Alors j'ai toujours pas vu Le Roi Léo, je sais que Le Roi Lion est un honteux plagiat, mais par exemple, moi j'adore Atlantide, pourtant je sais que c'est un plagiat de Nadia quoi. Très 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 grosse inspiration, bon, on va pas se le cacher. Mais je trouve justement que Le Roi Léo, parle de thèmes et de choses beaucoup plus. Comment dire, pas profondes, mais beaucoup plus dures, on va dire. Et je trouve que c'est ce qui manquait un petit peu au Roi Lion. C'est Le Roi Lion que, même s'il est quand même. J'aime beaucoup ce film, je le trouve très très beau, mais ça reste quand même assez simple, on va dire, comme. Comme histoire, quoi. Et justement, ce côté un petit peu discours qui est un petit peu biaisé de Mufasa, où il accepte pas tout le monde et tout, donc ça va, quoi. Mais voilà, c'est pour revenir au début, c'est tout dépend de quand tu le regardes. C'est que t'as beau avoir adoré un film plus petit, quand tu le regardes maintenant, bah c'est pas le même. Tu peux ne pas avoir le même avis, quoi. Ouf. Batman et Robin. Petit, j'adorais, mais maintenant, bon, j'adore toujours autant, mais c'est de la merde. Ah, on peut adorer des films de merde, hein. C'est pas interdit. Bon, je propose qu'on s'arrête là quand même, parce que sinon, on est parti pour des plombes. Du coup, les amis, merci de nous avoir regardés. Merci à toi, Quentin, d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité, surtout. On se refait ça quand tu veux pour parler de Gravity ou d'autres choses. Pas de problème. Ce qu'on retiendra de ce live globalement, c'est que Gravity c'est mieux. Interstellar c'est mieux, ne l'écoutez pas. Gravity c'est mieux. J'en profite pour te poser la question là maintenant. Est-ce que ça t'embête si je mets le replay de ce live en ligne? Si tu dis que Gravity c'est mieux, oui. absolument pas, ça me dérange pas du tout. Écoute, ça marche alors. Écoutez, merci les zouzous, merci d'être venus. On se dit à une prochaine fois. Et puis on vous fait tous les deux des gros bisous.
Ciao, à bientôt. Des bisous à tout le monde, salut.